Moi, je suis chaud qui. T'es chaud, Dukes? Bon, je continue sur le barbare. Et je go face. Moi, je vous le dis direct. Je go face. Attends, il faut remettre la musique smork. Allez, le café. Non. Je prends un whisky, moi. Lol. On n'est pas sur les mêmes histoires. Si elle commence à. Voilà, si elle fait à peu près la même. Pareil. Me, I'm smart. Me, summon the Ark. Summon Huffer. Summon Misha. Another Huffer. J'écoute le smork donc j'en ai entendu. Alors, obtenez une random rare card. Max HP. Ah, random rare card, ça me plaît pas plus que ça. Top deck. Well played. Obtain a card. Ouais, mais bon, random, tu vois. Ouais. Au final, regarde par exemple avec le deck que j'avais, j'ai pas trop envie de. Oui, mais du coup, ça va t'orienter direct sur un truc à part. Il y a feed en rare card. Non, mais le max 8 HP est bien. Oh. Obtain a random rare card. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Au final, ça peut dicter un peu la direction du. Ah, bah, c'est block no longer XP. Donc on va peut-être pas être full face. Ah. Ah. Et donc l'évolution de Barry 4, c'est que ça coûte. Ouais, tu me l'avais dit. Bah du coup on va essayer de jouer avec du. Tu vois, ça aurait fait un potentiel d'avoir deux random rare cards. Et j'aurais pris la curse. Parce que bah voilà, il y a des cartes qu'on enlève quoi. Ouais, mais moi j'oublie que les. Putain. Et on peut pas juste restart une run? Mais t'auras pas l'avantage parce que t'auras pas été jusqu'au boss de l'acteur. J'aurais pas l'avantage, comment ça? De là, quand t'as commencé, il t'a proposé un truc, tu vois. Ouais. Là, si tu recommences, il va dire Hey, va jusqu'au boss de l'acteur. Ah, ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Non, mais... Ouais. Faut le savoir. Ah. Bon. Moi, je dis, on repasse sur les points d'interrogation, les conneries et tout ça. Là, il y a un élite sur le champ. Tous les élites possibles pour avoir le plus de reliques possible. Ouais, je sais, mais regarde comment c'était fun tout à l'heure. Le fun, Jojo. Pense au fun. Mais bien sûr, mais les reliques... C'est ça le ah, fun! Oui. Non, mais c'est bien! D'en avoir plein! Faut les tuer les élites. Eh ben, on va peut-être prendre ce chemin là alors. Tac tac tac. Oui, c'est bon, j'ai trouvé le chemin. Deux élites et pas mal de points d'interrogation. Allez! It's the motherfucking DJ Van the Dog! Ah, je vais le voir en fait. You know I'm facing with the SM4. Ouais, you know who's back up in this motherfucker. So face the priest, just then. Face that shit. Alors. Oh oui. Ah oui, t'as vu, il est bien hein, le chemin. Putain, il y a énormément de delay quoi, je suis impressionné. Tu verras, je te montre. Ouais, le chemin que t'as pris. Oh là là. Tu me saoules. Non, mais vraiment. Je me correcte, parce que j'avais dit de la merde. J'avais pas pris. Non, j'ai pas pris le chemin que t'aurais pris, alors que c'est l'inverse. Je me correctais. Play to vulnerable. Attends, il veut mettre un négatif effet. Toi, bah, je le tue direct. Hop. Bon, Osef, tout ça. You know, I'm not in with the DJ of the dog.
Est-ce que c'est le moment de jouer barricade ou pas? Contre un petit mob comme ça, franchement. Je le rush. Hein. Je peux me faire chier. Je le mets quand même, si jamais je... Je regagne combien à la fin de mon tour? Moi, 6. Go face. Donc je peux pas le finir, donc on va juste... Ouais, go face. Non mais oui, mais du coup comme je peux pas le finir... Enfin ouais, c'est peut-être du retard, je voulais dire. Limite, je devrais te faire un share screen plutôt que... Oui, oui, comme ça je fais. Ah, comme... 6x3, 18, c'est tellement débile. Ouais, t'as vu. Mais comme ça, je vais regagner tous les PV que j'aurais perdu. Non, tu regagneras pas tout. Bah si, parce que j'ai fait un bloc, justement. Ah, oui. D'ailleurs, Diox vient de le dire dans le chat. Mais bon, Diox, au final, les... À chaque fois que tu dis le truc, les tours sont déjà passés. Donc... Bon, là, tant mieux, j'ai fait comme t'as dit. Bon, j'ai une potion. Into Energy, ok. J'ai une potion en main. Ah, oh, je vais jouer avec le bloc, là, du coup, Jojo. Si t'as le truc qui fait 12... Ouais, c'est surtout que j'ai le Metal Size. Ah. Plus barricade. Attends. Après, j'ai... Ah ouais, non, j'ai armement. J'ai armement, quand même. Oh. C'est horrible d'essayer de parler avec le délai. Mais ouais, mais je comprends. D'habitude, on n'a pas autant de délai sur Twitch, quand même. Ils ont changé un truc, ou quoi? Bon, qu'est-ce que vous en pensez, là? Metal Size ou Armor? Bon, toi, t'es biaisé, de toute façon. Mais je veux le point de vue de Diox. Il a l'air d'avoir bien tryhard le jeu. Armement, pardon. J'avais pas vu. Très bien. En plus, c'est l'acharnement quand il est en... Donc, je te disais, Jojo, le chemin que je veux prendre, c'est celui-là, en fait. Avec le... Parce que je t'avais dit, je veux le plus d'élite et de points d'interrogation. Pour le LOLs. Donc là, il y a le point d'interrogation. Là, là. Bah. Il y avait genre 3 points d'interrogation avant le premier élite. Avec un... Ouais, mais le shop au tout début de la game, bon. Ouais, quoi que c'est vrai que t'as quand même du gold au départ. Me disais, j'avais zappé. On faisait une carte de ouf, on aurait dit quoi. Non, mais j'avais zappé que tu commençais avec du gold. Mais bon, du coup, le chemin que je voulais prendre, c'est tac, 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 tac. Après partir là. Ah non, je peux partir là. Bah ouais, tiens, je vais faire ça. Comme ça, je l'aurai mon deuxième. En fait, le chemin sera similaire. Voilà. Oui. Non, oui. ce sera un peu pareil. Non, mais voilà. Mais c'est la fin, je crois. Il y a plus de l'air à la fin. Bref, Osef, avance. At the end of your turn, gain 1 week. Je les prends pas. Attends, si je receive 175 gold et je gagne le curse doubt. Mais du coup, au marchand, voilà, au marchand, je pourrais clairement rentabiliser. On est d'accord. Et je dis souvent, le doute m'habite. Le doute m'habite. Il y a genre 10-15 secondes, c'est pas sur jeu. Ouais, sur les jeux de cartes. Oh, mais 10-12 games, c'est pas mal déjà. Ah bah putain, j'ai déjà le doute en main. Quoi. Le doute m'habite. Le doute m'habite. Putain, il veut déjà me mettre 12. Ah ouais, ouais, ouais. Je le bloque, hein, lui. Je fais un double défense strike. Ouais. On est plus go face. C'est bien squatté le... Du coup, en 4 jours, là, je crois que je suis un espèce de 30... 32 heures de jouer. 5 jours, disons, allez. Ah, alors là, j'ai l'upgrade. Armement. Est-ce que je fais armement, j'upgrade barricade et je joue barricade? Oui. Après, bon, voilà quoi, c'est un petit ennemi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Upgrade le bash. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
je peux peut-être me contenter de lui péter la gueule. Oui, oui, c'est le premier mob, quoi. Oui, voilà. Enfin, c'est le deuxième, en l'occurrence. Mais... 2 jours. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Genre, je l'ai commencé tout à l'heure, j'avais 25 heures, une connerie comme ça, tu vois. Avant le stream. Donc, c'est pour ça que je suis monté à 32 avec le stream de tout à l'heure. Et pourtant, ouais, le jeu, je l'ai bien camp. Putain. En tout cas, le premier jour, je l'ai camp de ouf, j'étais déjà à 9h. Il veut me mettre 7. 2 jours, 20h, ouais, toi, tu l'as le camp pareil. Hein. 10, 12 games, ouais, j'ai peut-être pas fait autant de games en vrai. Ah, peut-être que si, avec les restarts et des conneries que je connaissais pas au début. Bon, je suis dans j'en sais rien. Et puis, il y a pas mal de games qui s'échec finalement. Le doute m'habite. Ah. Il est vulnérable. 3 x 9, 27. Ouais, je. Oh, mais c'est trop tard, Jojo, le tour est joué. Tu veux pas que je te share le screen, honnêtement, parce que si tu veux... Non. D'accord, non mais... Je ferme ma gueule. Bah voilà, justement, c'est pour pas faire ça que je voulais... Je te troll, ouais. J'arriverai pas à me contrôler. Oui, de toute façon, ça c'est sûr. Bon allez, il me faut 2 strikes au tour d'après, on est où. Mais ouais, le doute, c'est relou. Parce que ça te met week-end. Ah mais oui, merde, je suis encore week-end. Bah oui, je l'ai repioché, putain, c'est relou quoi. Par contre, si je mets 7... Si t'as 3 strikes, c'est bon. 3 fois 4. Ouais, ou... non mais bash plus strike, ce sera bon. Parce que je mets 7, mais du coup ça va augmenter mon strike de 1. Donc je lui mets 12. Tu peux aussi armement un truc. Voir. Non, je sais non, pas. Non, non, bah non, regarde, là je le tue comme ça. Hein. À la limite, ce que j'aurais fait, c'est armement plus défense. J'aurais armé le défense, tu vois. Mais comme je ça, viens de le tuer, Jojo. Pourquoi me faire chier si je peux le tuer? On va pas faire Miss Leta. Oui, weak, Diox, du coup. Du coup, j'ai bien fait comme tu l'as. Comme tu l'as vu. Ah. Que prendre? Du coup, feu de camp, le premier feu de camp, c'est améliorer armement de base. Ouais, ouais. On est d'accord. J'ai pas de carte qui me lose des HP. Ouais, mais on peut en avoir plus tard. Ouais. Si t'en jamais, y a un shop qui arrive. Moi non plus, Adux. Mais à la limite, Brutality. Ouais. Je prendrais la limite de rupture. Non. Clairement, je vais pas la prendre comme ça, flat. C'est la carte d'attaque, hein. Ouais, je vais. Voilà. Non, mais c'est pour ça que tu dis je prendrais rupture. Réalisant, c'est la carte d'attaque. Bah, j'ai hésité aussi, Dux, un peu. Parce que je me suis dit, ah, ça peut être pas mal pour accélérer et tout. Et vu que j'ai des trucs avec le bloc, pourquoi pas. Ah, quoi que ça passe peut-être le bloc, les dégâts. Non, ça passe le bloc, c'est lose un HP. Ok. Ah, c'est start vrai. Apply c'est vrai one vulnérable. Ah, j'ai re-eu ça. Le bag of machin. Ah, ça c'est cool. Ah, c'est nice ça. Vulnérable au début de tour. Ça, par exemple, les trucs qu'ont artefact, bah, ça leur enlève un artefact de base. Quoi. Bon, marchand, je vire. Me pose même pas de questions. Je vire la carte. Ah, il y a le Fiam Fire. Putain. Laquelle? Bah, la curse, le Doubt. Ouais. Non, je vais pas virer une carte de mon deck alors que j'ai. Attends, ça, faut voir. Il y a peut-être des artefacts et tout à acheter. Oui, mais bon, j'ai viré la curse. Apothéose, ouais. Non, c'est genre la carte, mais elle est pas ouf du coup. Non, elle est pas ouf du tout. Parce que t'as armement qui fait la même chose. Qui coûte moins cher. Non, pas du tout apothéose. Bah oui, mais ça va upgrade aussi mon apothéose. Chaque fois il va acheter, ça coûte pas cher. Bon, laissez-moi regarder, vu que vous êtes pas d'accord. Ce et sera c'est mal aussi pas mal. Moi je prendrais Finesse, Shockwave et soit la fleur, soit le Pen Nib. Oh, ouais ouais mais il a pas que je sais pas si mais bon quand il a une idée en tête Diox tu sais faut pas j'avais compris que la main mais ah oui t'avais compris que la main ouais.
Mais du coup, avec armement, tu peux gérer et y a pas besoin. Bah, apothéosis, ça upgrade armement. Enfin, bref, je... Mais du coup, vu que tes autres cartes sont upgrade, ça sert plus à rien. Ouais, à part si j'ai la carte qui peut s'upgrade de façon infinie. Mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a une redondance. Qui n'est pas folle, du coup. Et qui coûte très cher. Shockwave, Finesse et un Arthos. Shockwave est tellement peu cher, faut la prendre. Ouais. All ennemi, all ennemi. Et le Heavy Blade ? Non, le Heavy Blade. Prends le Pen. Le Pen. Et 10 attack you play deals double damage. Ouais. Mais bon. La fleur est après, la aussi. Fleur est sympa aussi. Hein. Ouais. C'est plus 1 d'énergie tous les 3 tours. Sachant que là, je vais jouer un deck un peu plus slow, on va dire. On va prendre Finesse et Shockwave. Et bah voilà, je peux pas. Je m'en doutais. J'ai écouté Jojo. Bon, c'est pas grave. Comme ça, pas d'artefact. Tant pis. Oui, plutôt les cartes que l'Arthos. Tout le temps. Non, mais c'est pas grave. Ils sont pas. Ils étaient pas si violents que ça, les Arthos. Donc je suis. Ouais, les Arthos sont pas si violents que ça, effectivement. Mais tu vois, le délire, c'est qu'il fallait pas enlever la curse et garder les sous. Parce que 75 pour enlever une carte, c'est très cher, sachant que des fois, tu peux le faire pour gratuit. Osef. Un petit élite. Mais ouais, apothéose, du coup, j'y repenserai à deux fois. Bah oui. Merci pour la clarification. Ouais, je serais un peu de ton avis, Diox, mais selon l'artefact. Cela était bien, mais c'était pas non plus. Selon voilà, l'artefact, quoi. Faut voir, effectivement. Donc là, he's asleep. Et il prend c'est vulnérable. Tout. Si tu fais un bash, il a, tu vois, il se réveille pas, ça casse l'armure, il se réveille pas. Et non, il s'est réveillé en l'occurrence. Mais il se tenait d'un instant. Ah oui, parce que le bash, vu qu'il est vulnérable, ça va lui mettre plus de dégâts, ok. Pardon. Ah, mais je vais quand même aller piocher, tiens. Ça coûte rien. Puis, de toute façon, vulnérable, fallait le jouer. Oui, oui. Je sais pas me. Finesse, c'est quoi déjà? Ah oui, gain to block, enfin, gain du bloc, je sais plus quoi. Ah, tout bloc et draw a card, non, c'est bien. C'est bien, surtout avec la barricade qu'on va pouvoir jouer plus tard et tout. Si j'upgrade Shockwave, ça fait quoi? 5! Ouais, c'est pas mal. Du coup, je vais peut-être faire un tour armement Shockwave. Un tour défensif, pourquoi pas? Sachant qu'armement donne aussi un plus 5. Oui, c'est. Je sais, j'ai quand même lu la carte. J'avais pas de buff et tout. Bon, non, ça me semblait pas déconnant quand même. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, essayer de se buff. Et le 18 va prendre son weak et tout, non, c'est bon. non, c'est bien là, moi je trouve ça pas mal. Tu peux aussi faire un coup de popo d'énergie si vraiment tu te sens un peu, voilà, de... Ouais, mais là j'avais rien de... Je préfère la garder pour un... Mais merci de me faire penser. Genre là, la popo d'énergie peut-être avec la barricade. Je vais le faire. Pourquoi pas, en effet. Bien que bloc no longer expire, s'il continue à faire que m'attaquer. Enfin bon, on va quand même le faire. Bah, j'avais zappé que le vulnérable, tu vois, j'ai l'habitude justement de faire ce délire. De, il peut dormir jusqu'à 3 tours. Parce que des fois il se réveille insta. Là tu te dis ouais. Merde, saloperie. Armement, sword boomerang. Ah, quoi que je peux mettre mes defend. Il fait quoi au prochain tour? C'est quoi les upgrades de sword boomerang? Il est où? Son truc qui fait. Ah, j'aurais pu te dire. 4 times au lieu de 3. Ah, de boomerang, c'est de la merde, ouais. Non, je vais upgrade un bloc, du coup. Un defend, ouais. C'est 8 de bloc au lieu de 5. Ouais, j'ai vu. Je vais quand même l'attaquer. Oui.
pourquoi pas. Parce que bon, il y avait un moment. Bred l'attaque, en vrai, c'est pas si dégueulasse parce que du coup, il aurait. Pris, ah oui, mais là, c'est trop tard, ça, Jojo. 4x4. Non, mais c'est trop tard. Non, pas, c'est pas 4x4, c'est 3x4 toujours. Je veux dire, au départ, c'est 3x3. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bon, alors, écoute, là, il a pris les 3. C'est très bien comme ça. On va pas se faire chier la bite non plus, quoi. Tout en finesse. Ah, le bash qui s'accumule, moi j'aime bien le vulnérable de ouf. Non, ouais, bah c'est ouais, bon, t'es vulnérable, c'est bon. Ouais, clairement. Tu ne joueras plus. Bon, on va l'attaquer, hein, un petit peu quand même. Et puis bash fait quand même. J'aime bien jouer défensive barricade là, c'est marrant. Ah, elle reste upgrade tout le long de la game en fait. D'accord. C'est ça, c'est oui, ça. J'avais pas eu. Pétail. Oui, non, mais en plus, c'est ce que j'ai. Le prochain feu de camp. Bah, du coup, ouais, on va. Upgrade à chaque fois. Armement, le boomerang. Se défendre. On peut faire de mieux. Deux fois 4, 8. Ah, 3 fois. Ah bah oui. Elle est vulnérable. Sword boomerang plus. Ah oui, non, c'est parce que t'as pris un de pouvoir en moins. Ah bah y'a un Marwan. C'est vrai qu'il. C'est l'heure de travailler maintenant. Le travail. Ça va ma biche? Ah, la bite mentine nous parle sur le. Sur le chabit. Ah ouais, mais. L'upgrade de Bash, c'est quoi? Ouais, on a joué toute la nuit, ouais. C'est tout à fait ça. Où il est parti de chez moi jusqu'à encore on y est. Ok. Bash. Putain, il me fait chier à mon week-end comme ça. Un week-end en fait, c'est un pouvoir de moins. Ouais, enfin voilà quoi, t'as compris. Ouais. C'est super relou. Oui, c'est pour ça qu'il faut le défoncer le plus rapidement possible parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus faire de dégâts. Bah, du coup, on va faire le bash. Voilà. Armement bash. C'est ce qui a été fait, t'inquiète pas. Ouais, on a joué toute la nuit, Marwan. On te le disait, Jojo. Oh, 3x4, 12, putain! Chier. Bon, on finira au tour d'après. Je prends cher, hein. Mais bon, je crois qu'on a un campement bientôt. Mais non, t'as le vulnérable, c'est bon, Momo. Ah, du coup j'ai fait de la merde. Putain. Comment il gueule, tu sais, le mec, c'est bon quoi, va te faire enculer. On va finir. Bah oui. Alors, un single, whenever you rest, you may add a card to your. Ah! Whenever you rest, you may add a card to your deck. C'est bien ça. C'est nice! Pour le prochain feu de camp où tu vas effectivement te reposer et pas forcément upgrade, tu vois. Oh, j'ai un deuxième armement, Jojo. Tu vois, là tu vas peut-être regretter d'avoir pris pas mal d'HP.
Pourquoi? Enfin, je vais, on regrettera toujours d'avoir pris des HP. Je veux dire, c'est. Oui, mais tu regretteras encore plus fort. Bah. Mais si la run est à part sur de la merde, tu vois. Bon, bah, je fais de la merde, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète. Mais quand t'as fait de la merde et que la run était juste trop bien et que sur une erreur de plus tôt parce que t'as pris un dégât de plus à un moment. Par exemple, ce qui non mais c'est bon Jojo, on va pas. Ce serait bien qu'on avance. On va pas. Voilà, il y a eu Miss Létale, ça. Bon, l'important quand il y a Miss Létale, c'est que tu le soulignes. Puis bah c'est fait. Maintenant ta run elle avance quoi. Tu peux pas revenir. Alors. Oh oui putain c'est bien ça. Ah bah c'est parfait. On upgrade donc un armement. Allô. Mais vu que j'ai deux armements. Tu upgraderas l'autre le prochain coup. Ouais, mais il dit. Attends, il dit ça fait. Deuxième armement, tout ton deck est haut. Parce que attends, je veux juste voir par moi-même. Ah merde, je le vois pas. Upgrade all cards in your hand. D'accord, ok. Donc c'est bon. C'est très bien. Ok. On va passer par le camp, hein, comme prévu. En plus, je vais avoir une carte alors que je reste. Quoi. Oui, encore un armement. Non, mais je vais peut-être pas reprendre un armement, là, quand même. Ah bah si. Pour ah bon augmenter les chances de d'avoir l'armement plus avec l'armement normal. Le Perfected Strike est quand même pas mal, en vrai. Bah ouais. Ouais, on est d'accord, Dieu que ça. Je trouve ça un peu abusé dès que vous êtes pas joueur. Bah non, mais on a envie de gagner quoi. Non, mais quand on a quand t'as un énorme deck. Bah, je suis désolé. C'est... Oui, mais justement, il est pas énorme mon deck. Donc... Battle Trance ou Perfected Strike? Perfected Strike, c'est quand même bien. Hein. Perfected. Bon. Ouais. Un finisher de ouf. Un truc qui met plein de dégâts quoi. Allez, un petit coffre. Darkstone, whenever you obtain a curse, increase your max HP by 6. Ah, pas mal. Pourquoi pas. Alors, donc là, on a dit qu'on allait là pour aller voir l'élite ensuite. Putain, mes PV, quoi. Ah, peut-être le 80 sera là, quoi. Peut-être pas, mais... C'est pas loin. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le offering me plaît bien. Il y a un autre armement, mais putain, c'est du foutage de gueule. C'est un offering pas cher. Pas il il a un additionnel 15 HP au nord-est. Ah, ouais, non, c'est le shuriken. Ah, fais voir ce que fait l'oiseau. À chaque fois, il. Whenever you use a potion, heal 3. Fais le tour entre pile, draw une carte. Ouais bah on va prendre le offering. Je le trouve cool hein. Ouais. Clairement. Et il est pas cher. Est-ce que je prends le cleave? Il est pratique quand même. J'ai pas d'AOE. Rien ou offering. C'est vrai que t'as plus beaucoup d'argent après. C'est mais vrai. Argent. L'argent. Non mais toi parce ça que du coup l'armement tu peux les... Oui mais après il y a un moment où on peut plus upgrade les cartes du coup il y a un moment où carte de bloc ta barricade. Quoi? C'est une carte de bloc et ta barricade de ton... dans tous les cas il autant l'utiliser. Oui, mais je veux dire bah oui mais autant prendre un bon bloc parce que il y a un moment tu peux plus upgrade. Bon bref. Ça me saoule. Je sais pas. T'es, en plus, t'es très bien conscient que c'est overkill, mais tu me dis pour le troll. Je te connais. J'ai un armement, Jojo. Oh,
Est-ce que j'armement le... Bah j'armement le bash hein. Ouais, ça me semble bien. Ah mais non mais all card. Ah non mais c'est mon armement plus. Ah bah voilà. C'est parfait. Les prochains skills que tu vas utiliser, donc là, après tu fais plus de skills. Parce que, donc moi là, ça serait armement... Ouais, hein? Armement plus, plus wave. Mais tu fais plus de skills après, parce que le délire de ce mec là, c'est plus tu fais de skills, plus il gagne du power. Oui, oui, c'est vrai qu'on l'a affronté tout à l'heure. Tu armement tout, ouais, du coup je joue... Ouais, non, la wave, plutôt. Ok, ok, je vois le... Comme ça, il sera bien debuff pour le. C'est ça. Pour le reste de la partie, j'ai upgrade des cartes de mon deck. Alors, qu'est-ce qu'il a là? Whenever you play a skill, gain 2. Ok. Et là, il va m'attaquer pour 10. Va être 2 strengths quand même. Ça, c'est un skill armement. Oui. Est-ce que j'armement mon perf? Ah, c'est chiant là du coup. Non, moi je fais Sword Boomerang Perfect Tech Strike. Et j'encaisse. Ok. Il aurait été intéressant d'améliorer le Perfected, mais t'as pas assez de strike dans ton deck pour que ça soit vraiment value pour le moment. Donc plutôt tape ouais. Mon écu. Ouais, tape mon écu. Le raisonnement me convainc. Et pas de finesse. Bah oui. Malheureusement. Bon, j'ai pas de potion hein, ce coup-ci. J'y pense, mais j'en ai pas. Putain, du coup, barricade sert à rien quoi. Parce que je vais pas jouer les skills. Effectivement. Mais c'est pas grave. Bah c'est pas pour grave ce donc. Et ce mec en particulier c'est relou mais pour le reste. Oui mais là regarde ma main. Ah là j'ai un problème. Et oui. Tu peux peut-être quand même te triple. Double bloc. Pour prendre que 4. Et défoncer au tour d'après. Les tours d'après il va me mettre cher hein. Bah il sera mort au tour d'après. T'es un peu ambitieux hein. Deux tours, mais là au bout d'un moment il va faire des buffs lui. Là il attaque pas Allez hop, je te suis hein. Au final j'ai quand même pris 10 à faire en fait ouais j'aurais mieux fait pas. Le prochain il attaque à 7. Plus un effet négatif. Là, il te tape 2-3. Oui, non, mais oui, pardon. J'aurais dit simple et pas doux. Non, bah ouais, pas offering, et puis bah sword plus de strike quoi. Quoique, si tu peux le tuer avec offering, il est peut-être value de le tuer. Enfin, d'utiliser. C'est offering. Vrai. C'est vrai. 9. 9 plus 6, 15 plus 6, 21, 27. Ouais, ça se tente. Hein. Ah, de la merde! De la merde, Jojo. Hein. Oh, pas sérieux là. Bah. Juste de la def. J'ai mon armement plus, est-ce que. Attends. Bah oui, clairement. Est-ce qu'il y a moyen. Quand upgrade. Fais finesse d'abord du coup. Justement, je voulais voir si je piochais pas plus avec upgrade. Non. Juste un peu de plug en plus. Okay. Donc là, je tente le tout pour le tout. Hein. Oui. Il est weak, oublie pas. Armement et tué. Enfin, vulnérable. Il est vulnérable. Exact. Attends, je regarde juste comme ça. Oui, d'accord. Ouais. Exact. Ouais, donc. Donc je pioche. Je fais mon armement. Et je lui bourre le cul. Ok. C'est bien. Très bien.
Oui, mais je fais quand même le raisonnement tranquillou pour moi me faire. You can now remove cards from your deck at rest sites. Putain, je peux tout faire au rest sites, moi. C'est bien. Mais du coup, c'est une action, tu vois. C'est pas genre Smith plus. Ah, d'accord, ok. Ah, bah le Thunderclap, hein. Tous les jours. Ah, oui. Ah, le Power Saw est pas mal, mais les Wands font chier. Ouais, puis Thunderclap, c'est vraiment. Ah, c'est la vulnérabilité, hein. Thunder tous les jours, c'est au l'ennemi et tout, non, c'est pété. Ah putain, maman. On enlève les artefacts comme ça avec ça. Juste tu joues la carte et hop là, vous avez plus d'artefacts. C'est une mine, ton sou. Ah, c'est caca. 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 Ça fait quoi quand j'upgrade Thunderclap? Plus 6. Il 7 dommage. Ouais. Non, il 7. C'est Shockwave, hein. Upgrade Shockwave, GG. Faut de la OE maintenant aussi, ouais, je suis d'accord. Ah, c'est 7, pardon, excusez-moi. Oui, c'est 7. Oui, bah oui, tu vois le stream en décalage. Alors. Ouh, j'ai un armement plus après le offering, ça va faire plaisir. Faut juste que je regarde. Ah, je draw 5 si j'upgrade de offering. En fait, soit je armement maintenant. Et non, mon offering puis upgrade. Oui, mais je te dis quand même que mon offering me draw 5. C'est quand même. Oui, mais d'accord, mais du coup il va pas upgrade. En fait, offering s'exhauste dans tous les cas. Oui, et du coup les autres. Non, offering s'exhauste pas, qu'est-ce que tu racontes? Si, elle s'exhauste. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, c'est pas. J'ai vu skill, j'ai fait bah non. Ouais, on va le faire comme ça. Oh putain, c'est que des petites merdouilles. Bon, c'est pas inutile. Bah, c'est quand même la main qui est. Ouais. Bon, il prend la bite, hein, écoute. Il a tellement pouvoir tout jouer. Bah, si j'avais eu rien qu'un strike en plus ou quoi, il était mort. C'était GG. Bon, bah, je lui pète le cul, hein. Cancro! Le cul! J'ai une fire potion, faudra me la rappeler. Perfected strike. Pour moi, le deuxième. Oui, value, tous les jours. Limite, c'est quand tu as un strike qu'on te propose, il faut le prendre, quoi. Ouais, enfin. Mais là, ouais, parmi les cartes qui sont proposées, Perfected Strike tous les jours. Même si le Rage est pas mal en vrai, mais il faut avoir pas mal d'énergie pour que ça soit value. Ouais. Oh, je peux. Déjà, je peux en tuer deux assurés. Grâce à ça. Le armement me. Mais est-ce que. Non, mais là c'est trop. Je suis en train de jouer déjà. Donc, tu peux pas. Ah, d'accord. Par t'as contre. T'as une potion de feu, l'oublie pas. Genre, tu peux en tuer un, genre, s'il en reste un, quoi. Ouais. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup? Bah, pourquoi pas, hein. Quoi? Ça te heal, là? Tu te fais un heal de 6 gratuit. Oui, mais si je peux le bloc. Non, l'armement. Ouais, mais il sert à rien, du coup. Quoi? Bah. Enfin, en gros, là, je peux les tuer. Faire à tanker le tour, plus 5 d'armure, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour le dire, quoi. Enfin, dans tous les cas, je peux les tuer, c'est un peu pareil. Tac. 13. Je sais pas si tu les tues tous, quoi. Alors que là, avec armement, tu tankes le tour. Mais je pouvais aussi tanker le. Là, je pouvais en tuer deux et tanker le tour. J'avais 5 mana. C'était pareil.
C'était vraiment le même play, je te promets. Bon, bah, on le tue et puis voilà. What? C'est vrai. Attends, pourquoi il a gagné? Ah, c'est vrai qu'il curl. Bon, de toute façon. Xaras. Ah, donc tu prends des dégâts. Bah oui. Vu qu'il a eu le bon rôle. Bon, c'est pas très grave. Ceci dit, t'aurais pu finir à la popo pour éviter les dégâts. Ouais, enfin bon, la popo 20, j'ai peut-être utilisé sur un truc. Là, je veux dire, j'ai pas d'autres. J'ai deux slots de popo vides, quoi. Donc. Exhaustol dans la tank card. Ok. Moi j'adore le Spirit Weakness, c'est... il revient en main, tu vois ce que l'autre fait. Ah tiens, plus 3 de force pour tout le reste. Propre. Plus 4 avec un upgrade. Turn, one damage to all enemies. Ouais, bah c'est Spot Weakness. Hein. Ouais, ouais. Ah, je pense que je vais faire le. On fait la RN Jojo quand même. Ah, la RN Jojo. La RN Jojo. Sous le bon oeil de RN Jojo, ne vous en faites pas. Rien de RNG ne peut. Ah bah merde, j'affronte quand même. J'affronte des mobs en fait. Oui bah c'est rien, ça donne c'est la même, c'est la même. Oui voilà, c'est la même. Non mais c'est pour ça que je dis oh merde, pas vraiment dans le mauvais sens du terme quoi. Ah oui je vois. Je vois. Mais finalement tu vois je préfère quand même me faire le point d'interrogation. C'est la même chose. Whenever mad machin, it gain one strength. Ok. Ils sont vulnérables, n'oublie pas. Ouais. Genre le bash là, le 8, il te transforme en 12, tu peux en tuer un juste avec bash. Oui. Genre celui qui fait 9 d'attaque. Est-ce que la potion elle bénéficie pas du weak? Du vulnérable, non. Ok. Mais du coup tu peux quand même tuer celui à 24 avec quand même de la RNG, mais le sort de boomerang. D'abord, tu as un mec avec le bash. Quoi. Je vais faire le bash sur le mec à 11. Vu qu'il va m'attaquer. Donc, voilà. Oui. Défonce-le. Je fais le sword boomerang. Ouais. Et on voit ce qui se passe. Par contre, si ça attaque une fois là. Nice. Non, on verra ce qui se passe et la popo. Bah, je tue le mat goblin. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est parfait. Bah oui. Alors il y a 16 plus 7 de trucs. Oh le armement. Ah, et en plus, oh le offering armement. Mais attends, si je l'ai... Ça vaut peut-être pas le coup de perdre des PV si je les tue de base. Perdre des HP. Non mais je regarde. Si je les tue de base, j'ai pas besoin de perdre de PV, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Mais je ne les tue pas de base. Mais de toute façon, si tu fais juste armement Perfected Strike sur celui qui attaque, oui, c'est oui. Quoique non, 20, ça suffit pas. Par contre, j'ai le Thunderclap plus. Donc ça fait ça. L'acharnement. C'est l'acharnement. Et je les tue. Voilà. C'est la beauté. J'ai une potion Apply Tree Week. Okay. Je pense qu'il y avait quand même moyen de pas perdre les 4 de l'offering. Mais ouais. Bah non, on a regardé justement ce qu'on disait, il y avait bah pas si, moyen. Bah si, t'aurais juste tanké ce tour là pour pas perdre 4 quoi. Ah oui. Ouais, effectivement.
jouer lentement, quoi. C'est pour les faibles. Eh, deal 12 can be upgrade any number of times. C'est vrai. C'est bon ça avec les armements. Bah, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, c'est bien, c'est parfait. Mais j'aime bien le spot. Oui, mais j'en ai déjà un, ça va, on va pas faire ça, on va pas en faire 20 000. Justement, tu peux le spammer. Oui, non, mais j'ai bien compris. Non, mais bon, moi c'est Syringo. Trop de 15 places. Clairement, là, dans ce deck. Encore une fois, moi je te répète, les cartes, il y a aussi la... par rapport au deck, quoi. Mais quand t'es juste trop faible et que tu peux pas tanker, bah c'est dommage quoi. Alors que le spot weakness te donne justement le délire du vulnérable avec un plus 3, ça fait déjà juste 4, juste le truc quoi. Et oui, oui. Enfin bon, ça te donne juste. Joseph, on va pas se. Ouais, je le grid le boss. Hein. Dioxy dit le grid. On perd pas là-dessus quand même. C'est le premier boss quoi. Bah oui, oui. Ça n'existe pas. J'ai pas perdu le premier boss donc. On a un bon deck. C'est bon. Donc le deuxième armement. Oui, c'est vrai que le deck est très solide. Alors, c'est quoi ça, le Hexaghost? D'accord, il est vulnérable. Enemy intentions are unknown, not attacking. Donc, faut que je pense que je pourrais le rendre weak. Je pense que je joue la barricade, là. Comme ça, je suis setup. Oui, c'est le moment, puisque c'est le. Puisqu'il va rien faire. Ouais, c'est lui avec ses flammes de merde qui va te mettre les burns et tout, quoi. Ouais, je sais pas, je le connais pas. Weakness que au tour d'après. Quand il a les 6 flammes, il va te bourriner. D'accord. Quoique, il est vulnérable là pour ce tour, un perfect test. Ah bah, c'est trop tard, Jojo, c'est trop tard. Mais il sera vulnérable là avec les Thunder. Ah, 5 x 6, il compte mettre. On va le weak. Oui, oui. Tu peux le weakness là. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Bon bah je me défends et je thunderclap. Bah non mais ça vaut pas le coup de thunderclap vu qu'il sera. Non, effectivement. À moins que tu fasses des strikes derrière, mais non. Non, je vais plutôt me défendre quand même. Oui. Ouais. Ouais ouais, il bourrine bien quand il a les 6 flammes. Ouais. 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 Armement. En hey. Plus, il y a le can be upgrade any number of time. Il va me mettre 3x2 par contre. Bon, bah, moi je bâche. Hein. Ah oui, oui, tous les jours le bâche. Bah, demain, je sais pas. Peut-être que je l'aurai plus. Tu commences avec. Non, mais je sais, c'était une petite blague. Non, quoi. Je sais, j'avais envie de contredire ta blague. Bon, bah, offering armement plus. Hein. Ah, le 3 vulnérable du bash, c'est quand même plutôt de type confiant. Bon, là, c'est la première, il a une flamme. Je prends la weakness. Enfin, finesse, je le joue avant de armement plus. Hein. Oui. Ah, j'ai le spot weakness. Donc spot weakness. If an enemy... Pourquoi faut que je cible l'ennemi? C'est ça. Mais t'as joué armement avant ou... Oui, oui, bah... Ah. Comme... T'as 5 d'un... Ah oui, non, bah oui. Normal. J'ai bien quand même envie, même si le Perfected Strike est tentant, j'ai bien quand même envie de continuer à le debuff là. Non, bah non, pas armement premier du coup. Parce que s'il avait upgrade l'armement, enfin le finesse, il ne piochait pas plus de cartes. Alors que
là il piochait une autre carte qui a un vrai potentiel d'être évo. Parce qu'elle donne, elle me pioche pas plus de cartes. Là pour le coup je suis d'accord. Plutôt plus deux de blocs seulement. Plutôt Shockwave et Strike. Shockwave, je mettrais Perfected plutôt. Ouais. Parce que après là il va plus être weak hein, les tours d'après. Ouais c'est vrai. Bon, tu cycles vite, vas-y pour le Shockwave. T'as pas besoin Shockwave Strike, vas-y. Ouais mais Dux pour l'instant ça upgrade des cartes plus importantes à upgrade que Shockwave Strike. Ou alors je prépare même de la défense pour après. Tant qu'à foutre. Vu que j'ai l'armement là. C'est vais c'est pas faux. Je vais le faire. On va jouer bien safe. Ouais, c'est vrai que c'est Wix. Non, vas-y pour le... On joue bien safe, tranquille. Attends, on va pas ruiner cette run stylée là. Oui. Armement bon, plus. Bref, des dégâts fois 1,5, c'est pas dégueu hein. Quand même. Ah, mais là on va maintenant là on va bourrer le cul là. Oui, c'est vrai que le vulnérable presse. Mais armement plus bâche. Ah ouais, puis le vulnérable va sticker, c'est bon. Donc là, il va faire un pouvoir. Plus de la def, je crois. Ah non, plus d'attaque. Attaque et puis plus de la def. Mais 5 fois 2. Oh, j'ai le Searing Blow plus 1. J'ai pas le truc qui va avec. Bon, il est vulnérable pour assez longtemps, on va Searing Blow et Sword Boomerang plus. Oui, hein. Oui. Même s'il va perdre sa défense, tu vois qu'il se défendait, je te le disais. Eh ben, ouais, je t'ai dit oui. Au début, je t'ai dit non, puis après, j'ai vu sa barre de vie. Enfin bon, ouais. Ah merde, là par contre, pour le coup, j'aurais dû faire comme a dit Diux, parce que je savais que mes trucs étaient déjà bien upgrade. Bon, c'est pas grave, on va avoir un moment quand même. Tranquillou. Bilou. Et le Perfected Strike. J'aurais aussi pu regarder ce qu'il y avait dans ton deck pour voir si... Ouais. Non mais clairement. Perfected Strike. Bon, le armement plus commence à être un peu overkill. En fait, tu vois, le 31, tu vois, tu te dis ça met 31 sans vraiment regarder ce que ça met avec le vulnérable. Tu pars dedans et du coup... 46. Le 31 se transforme en 46 directement. 46 plus 15. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à... Ah là, je mets un Perfected plus Strike. Ouais, c'est ce que je dis. Alors que tu vois, si tu restes dessus, on voit les dégâts Evo. Et du coup, on peut calculer en fonction. Mais... Ah, il compte m'attaquer. Je gagne de la Strength. Oula, par contre, j'ai une main faible, là. Tu vas pouvoir te défoncer, te défendre plutôt. Te défoncer. Bah ouais, mais pas beaucoup non plus, hein. 5 x 6, là je prends grave la bite, hein. Ouais, la main faible. Bon, lui aussi, mais. Normalement, je peux tuer au prochain tour, quoi, mais c'est super chaud quand même. Moins un strike fort que le strike plus. Oui, bah. Évidemment. Ah, le Searing Blow. Donc ouais, bah, 36 dommages. C'est le boss hein, aussi, c'est le boss de l'étage. Moi, oui, bah, c'est le boss. Donc, mes d'accord. PV sont juste une réserve. Si on ah oui, non, mais moi, mes PV. Bon, mais c'est fait. Ah oui, c'est vrai que t'as beaucoup de retard. This turn, your next attack is played twice. C'est pas mal ça. Oh nice. Après quand la. Tu fais double headbutt. Et j'ai pas de headbutt. Je voulais juste voir. On peut voir le.
On peut voir l'upgrade là de là? Les deux prochaines. D'accord. Et l'upgrade de Brutality, c'est quoi? Je sais pas. Pas dire. Ok. Mais ouais, double tap, c'est pété. Ouais, ouais. Pas de deuxième barricade, hein, de toute façon, ça sert à rien. Non, mais. Ah tiens, you no longer discard your run, draw one less soul, je trouve pas ça ouf. Ne me dis pas que t'as eu la runic pyramide. Bah si, si mais... Oui, nous la prends pas. Bah oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est un peu... Ah, ah oui. Ah, you can no longer là, gain gold. Là je l'ai où on gagne plus d'or, mais où on a un plus 1, c'est pété. Ouais, je trouve ça bien. Choose and add 5 cards to your deck, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, j'avoue. Ça fait un draft 5. Dégueulasse, mais je préfère avoir le plus 1 d'énergie. Bah c'est vrai qu'on a un deck qui est un peu coûteux quand même. Ah non, mais le plus 1 d'énergie c'est tous les persos quoi. Il faut un plus 1 d'énergie. 3 c'est pas assez. C'est vrai que j'ai encore rien eu pour me booster. Au final le deck est bien en l'état donc... Énergie oui, aussi. Il est en l'état, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est pour dire pour les gold, bah voilà quoi, on va utiliser 250 à un moment donné. Non mais le marchand tu vois c'est une fois ou alors avec les événements, choses et tout. Je vais pisser, faire couler un café, parce que bon bah maintenant tant qu'à faire, hein. Il est quoi, il est 9h22, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dirais me coucher à genre midi. Moi je sais pas, j'ai un papou qui passe vers 15h. Bon bref. Tac, on va mettre le petit écran de pause. Je reviens d'ici. Je reviens d'ici 5 minutes. Ouais, bah je peux pas te la montrer en entière. Si tu veux regarder vers la. Parce que là je vais être en pause donc je vais pas pouvoir te la montrer. Tu veux que je te montre vers le. Comme ça là? Milieu. Milieu fin, ouais. Tac, comme ça là tu vois, il restera plus que les. Les débuts de trucs où j'ai vu qu'il y avait un shot. Tac. Bon allez, je reviens. Ah oui, merde. Faut pas que je te mette l'écran de pause. Je voulais mettre l'écran de pause, mais du coup... Bon, je reviens. Ça me suffit, j'ai vu une route à 3 zéniths. Ça me va. C'est ça que je prendrai. Après, j'ajusterai au besoin, tu vois. Mais c'est ça que je prendrai. Il aurait pu laisser l'écran de pause finalement. Avec une petite musique d'ambiance. Après, on a la musique du jeu en vrai. Bon, en tout cas, content que tu restes et que tu nous aides et tout, et que tu... Ouais, j'espère que tu apprécies le contenu que l'on pourvoit. Si tu restes, c'est... J'imagine que oui. Et bon, voir d'autres points de vue ne peut qu'à m'améliorer également. Oui, je suis parfaitement d'accord. Par exemple, l'apothéose, tu vois, t'aurais pas été toi, j'aurais peut-être encore dit « Ah non, j'en veux pas de cette carte de merde !»
C'est moins bien qu'armement. Ah, en fait, c'est tout le deck. C'est peut-être bien. Du coup, quand je t'ai vu spammer, Apo. Ah. Ok, non, en fait, c'est bien. Si t'as le combo d'armement des folies, voilà, c'est vrai que ça sert à rien. Et du coup, ouais, moi j'avais le truc de quand elle upgrade au nombre de fois infini là, et avec masse d'armement dans mon deck, c'était marrant. Moi, la carte elle upgradait, j'aimais. Ouais, il y a plusieurs manières de jouer de toute façon, et c'est aussi en fonction de ce que tu draftes. Après, il faut faire les bons choix de cartes que tu prends finalement. Bah, elle augmente vite en vrai, si en plus elle upgrade. Voilà. Plus 4. Et avec le vulnérable, c'est plus le pouvoir. Le Necronomicon, la reine que j'avais. Oh, une folie. Puis moi, genre, c'est pas on prend le chemin safe, tu vois. Là, je suis en mode ascension 2. Donc là, la prochaine run que je vais faire, apparemment, les normales ennemis sont encore plus vénères. Quoi? Pardon? Ascension 1, c'était il y a plus d'élites sur votre chemin. J'aime bien. Ça fait plus de reliques. Du coup, j'ai fait une run où j'ai fait juste que des élites. T'as débloqué le mode ascension. Il faut avoir battu au moins une fois les trois boss de l'acte 3. T'en es où? J'ai pas encore gagné avec ce que j'appelle féticheur, le mec le voleur là qui met du poison. J'ai pas encore gagné avec, c'est dur, c'est assez difficile. Et Spark, il a on a fait une petite game, on l'a fait ensemble. Et on est perdu sur les runclad. Hein. Une fois, j'ai mis genre un 90 de poison. C'était genre de ouf. 40 poisons, c'était au T1. Ah non, en fait, non, c'était bien. Ça devait être un truc assez taré. Mais ouais, il y a des cartes, en fait, si t'arrives à faire ton deck autour avec un poison fou, t'arrives à acte 2 plutôt bien stuffé, ouais. Ah, tu sais quoi, je vais peut-être reprendre le relais aussi après que Spark a arrêté de streamer. Je vais peut-être me relancer dedans, faut voir. Je devais aller dormir en vrai. Je ferai peut-être une ou deux runs, tu vois. Au bout d'un moment, je fatigue beaucoup. Mais faut voir. Ce jeu est très addictif et il me donne envie d'y jouer et je m'interdis d'y jouer en offline en fait, parce que du coup j'ai envie de partager avec tout le monde. Et puis, voilà, c'est un jeu que je me suis acheté spécialement pour le stream finalement. Pas spécialement, mais je me dis que c'est le jeu que celui-là je le fais que en stream. Parce que par exemple je joue à FTL aussi, que je fais alors en offline. Ah,
Bon, du coup, ça va être le reset day forcé. Ah, le reset day. Ouais, pour voir celui qui met le poison, mais celui qui met le poison, il m'a dégoûté tout à l'heure. Il était nul à chier. Ah, tu vois, c'est ce que je lui disais. Alors que le, je sais pas, le gameplay a l'air cool et tout, mais. Attends, je relis un peu le chat. Ah ouais, 42 poisons au T1, c'est sympathique. Ah, le succès 99 poisons. Ouais, je négocie parce que j'aurais pu faire un greedy de plus, tu vois. Du coup, je sais pas si ça, si ça peut dépasser le 99 finalement. Parce qu'il y a une carte du fait. C'est quoi, tu dis, tu peux le jouer poison ou sur 1, c'est quoi sur 1? Enfin, Rod, t'aurais fait. Attends, je relis tout. Ah, les fautes d'orthographe, ça fait mal aux yeux par contre. Je serais bien chaud pour voir celui qui met le poison, j'y comprends pas grand chose pour le moment. Si je reprends le relais comme je disais, je ferais sûrement du mec au poison parce que bah mon Ironclad est presque à fond et que j'ai envie de gérer. Putain, mon bot il spam trop là par et contre. Et la défense m'ascension. Bref. Je fais deux runs en prenant max poison, mais je connais le jeu depuis ce matin. Alors c'est vraiment galère. Ouais ouais, non, le jeu super addictif. Super bien. Bah un peu trop je trouve. Le mec il est dessus depuis je sais pas quelle heure. J'ai lancé le stream à quelle heure. Je sais pas, c'est de la merde, c'est de la merde ce jeu. J'ai un compteur, ça fait 7h21 que toi tu es en stream, sachant que moi j'avais démarré avant, ouais, bah oui, avant que tu partes. Oh là 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 là. Je dirais un espèce de. Allez, ouais, mais ça fait 7h que j'ai allumé le jeu en tout cas pour ma part. Oui, il y a un truc comme alors, ça. Alors attends, faut que je règle Moubot. Parle trop parce que vous parlez bien et c'est sympa. Il parle toutes les heures, Momo. Si ça fait 7 fois, ouais, c'est parce que ça fait 7 heures. non, mais là, tu vois, quand il y a beaucoup de chat, faut juste que je mette un timing un peu plus light. C'est où déjà que je fais ça? Command timers. Défaut de timing. Ah, du shuriken, oui, d'accord. L'espèce de truc qui coûte 0 et qui met 4. Oui, je vois. Ah oui, et du coup, quand t'as un pouvoir de taré et que tu mets un plus 3, ça fait des 7 dégâts pour 0, et là tu fais ah, c'était pas si mal cette carte, je pensais que c'était de la merde, mais. En fait, si je le mets. Genre la carte tout à l'heure, Momo, tu sais, c'était genre. Pour je sais plus combien, 1 peut-être, ça te donne 3 chives. Ouais. Et tu disais, ah, 3 chives. Ouais. Ah non, j'ai pas, c'est pas ce que j'ai dit justement. C'est bizarre, tu t'as. Moi je comprends l'inverse de ce que tu dis. Ouais, j'avoue qu'il y a des soucis. Non, j'ai dit ouais. Ça marchait pas spécialement dans ce que j'avais, mais j'ai même dit à ce moment-là, ouais, ça me fait vraiment penser à Rogue et tout. Non, je regarderai la VOD. Oh bah, fais-toi plaisir, hein, mec. Ah ouais, mais des fois, tu vois, j'aime bien avoir le dernier. Ouais, ouais. Et comme ça, le dernier mot te dira « Ah bah merde, je m'étais planté en fait. » Et t'auras encore plus le seum. Shiv, ouais, S-H-I-V, je crois, Shiv. Pas de E. Shiv. Ouais, faut vraiment débuter avec le guerrier, je pense. Ah ouais, non, le guerrier, c'est... Oui, sur un, Shiv, c'est Shiv en anglais. Ça. Alors c'est Shiv sans... Sur un. Voilà. Bon alors, cette run. Alors que je pensais, tu vois, la bêta FR, elle est un peu douteuse, hein, je trouve. Ouais, sûr, hein. C'est chelou. Cette run. T'as regardé un peu la map, là? Allô? Ouais, moi j'ai vu un triple élite. Moi, je suis un fou. Ouais, ouais. Faut quand même trouver un équilibre. Je veux des points d'interrogation, moi aussi, hein. On a dit que c'était le. Oui, oui. Skipper un boss pour avoir plein de points. Tu veux. De quoi? Deux. Tu peux skipper un élite pour avoir deux points d'interrogation. Ah. À la fin du parcours. Ce serait celui-là. Bah alors, je peux finir. Des HP, tu vois. Ce que je peux faire. Alors, moi j'aime bien celui-là. Il finit sur un élite.
Juste avant, il y a deux points d'interrogation. T'as deux mobs avant. Ça fait quand même un peu mal, peut-être. Parce que là, il y a un coffre. Non, il est pas si ouf que ça. Ça fait deux élites. Point d'interrogation. Élite, point d'interrogation. Coffre, élite. Ah ouais, 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 bah c'est bon, j'ai un chemin bien. Je te le parcours vite fait avec la souris, mais je vais le prendre. En gros, je vais faire ça. Peu importe, mais... Ça, point d'interrogation, monstre, point d'interrogation, monstre, élite, monstre, point d'interrogation, coffre, monstre, ouais, élite. Ouais, je suis d'accord. Et là, là, on verra à ce moment-là. Par contre, un petit campement au milieu, ça aurait pas, ça aurait pas été de refus quand même. Je suis d'accord aussi, mais bon. Attends, et ici. Voilà, point d'énergie, on va. Ou alors, je peux quand même. Je peux quand même me faire deux élites en prenant un chemin, un de ces deux chemins-là. Et qui me fera quand même passer par un camp parce que... C'est un petit peu chaud, quoi. Tac, tac, tac. Ça me fera un marchand pour les golds qui me restent. Te gourre pas à l'entrée parce qu'il y a un chemin qui est un peu tricky, j'ai l'impression, au milieu, qui pourrait te faire induire en... Ouais, ouais. Lui, et après je vais sur le sur l'élite plutôt que le... Ça fera deux élites d'affilée, remarque. C'est ce que je te disais, tu peux genre prendre le chemin où t'as un élite au début et skipper le troisième élite en cas où. Ouais, donc on va prendre celui-là. Bon. Prison, non, pas. Ah bah du coup c'est pas ça alors. Je t'avoue que là j'ai les faire sur un définition sur Google. Parce que Shiv, je crois que tout à l'heure dans ce que j'avais, c'était pas un truc avec le poison. Ah, des couteaux des prisons. Ok, never mind. Je vais me coucher. Putain, il faut que je tienne, je sais pas, au moins 11h ou quoi pour. Bon, allez, bah, je commence par là. Hein. Ouais, une arme d'estomité. Soin est un terme argotique désignant une quelconque arme à une main d'estomité. J'aurais plutôt dit de jet, tu vois. C'est eux, Jojo, qu'il faut que j'attaque plusieurs fois. Ouais. Ouais, trois fois pour qu'ils arrêtent de voler. Donc là, c'est un peu la merde, tu vois. Mais ouais. Tu peux faire spot witness, defend. Ça marche. Ouais, ouais, c'est bien. Ah, il y a 4 points. Fais gaffe. Ah oui. Bah ouais, mais du coup... Après, je peux faire un bash. Ah ouais, non, ça changera rien, en effet, ouais. Un bash. Après, si je rends 2 vulnérables, peut-être qu'au prochain tour, je peux en niquer un, quoi. Ah, sachant que tu peux faire spot weakness avant, pour que le deal 8 soit du deal 11. Avec le vulnérable, ça fait du 16, mais divisé par 2, ils prennent 8. Donc ils prendraient que 8 x 2. C'est pas ouf. En fait, soit je le rends vulnérable pour, bah, pour voir si je peux le taper au tour d'après, soit je... le double défense est bien. Bon, allez, double défense. Des armes de conception artisanale comme celles fabriquées en milieu carcéral. Ah ah, il avait raison. Caca. Ah bah tiens. Ah bah là, ça va être cool. Je deal à tous les ennemis, je boomerang. Lui il est stun. Heureuse utile. Ouais, t'as vu, c'est beau. Hein. Alors, est-ce que je stun le deuxième et je laisse l'autre se buff? Ouais, ça me semble bien. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit in one turn. Donc clairement, je vais faire ça. Il va être stun. Bon, après, j'aurais pu limite perfected strike. Heureux outil.
Non, moi je stun le deuxième et je strike le premier. Bah c'est ce que j'ai fait. Ah, le armement on plus. On a même pu tuer le deuxième en vrai. Bah ouais, si mais... Si t'avais fait strike sur le deuxième, il serait mort. Bah en fait, je sais pas s'il profitait encore de l'invulnérabilité ah, ou si pas. Il était encore sur vulnérable, ouais. Le 13, enfin le 9 se transformait en 13. Ouais, mais il avait encore son passif au moment où... Bon, bref. Allez, armement plus. Je vais aller stun l'autre PD. Non, il l'avait plus justement. Au moment... Et Jojo, moi je veux avancer dans le jeu en fait, donc une fois que c'est passé, je veux dire... Déjà t'as du délai, ensuite on revient sur des plaies que du coup sont même plus dans... Enfin tu vois c'est un peu... Oui. C'est un peu compliqué quoi. Je stun le... Le gros pavo. Oui. Moi je shockwave avant tout. Ah oui c'est vrai que c'est to all enemies. Ouais mais du coup Weak and vulnerable. Ah oui, bah oui, 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 oui. Ah oui, oui, ah oui, oui. De toute façon, il va mourir juste des... Voilà. Ah, 18. Voilà. C'était bien. Easy peasy, j'ai une bloc potion Jojo, faut y penser. Allez. Gain 2, lose 3 HP, gain 12 blocs. Ah, j'ai un flame barrier. Oh, nice. Sinon, j'ai le blood letting là qui peut être utile pour faire un gros tour, mais on a déjà le. Comment il s'appelle ? Offering, que je trouve très bien. Flame barrière, c'est cool. Ah oui, oui, quand le tu le mets sur un gros boss qui décide de... Ouais. Bon, je prends le chemin. Je prends le chemin à point d'interrogation. Oh ! Il est pas trop gênant, ce curse. Obtain a relic. Et j'ai 75% de chance d'avoir le curse normality. Ah, normality, moi je la trouve relou. Mais ouais, si t'as moyen de la bouffer par ouais. La suite, pourquoi pas. Après, sinon il y a le upgrade de Karn. Ah non, c'est le normality, non ça va, c'est pas ouais. Trop relou effectivement. Ça peut arriver que ce soit genre je peux pas faire un tour de regrette, quoi. Je peux pas faire un tour de offering avec normality quoi mais c'est ouais. Tout. Oui. Mais de toute façon c'est genre une fois quand il est dans la main quoi, c'est pas pour toute la game. Oui, je sais. Bah sinon là par contre je te dirais oh ça me fait un peu chier quand même. Voilà, sinon non, je me brain un truc. C'est pas si chiant. Bon là dans le deck que j'ai actuellement du coup c'est pas si horrible. Après c'est sûr que si toi tu joues The Silent, l'autre personnage, tu dois bien morfler avec cette avec cette altération. Hein. Bon allez, puis j'ai 25% de chance que ça fait pas. Hein. Et regarde, j'ai même pas eu. Allez, le gars quoi, Jean Gifté. If your HP is full, gain. Oh, at the start of each turn. Oh enfin, faut que je sois full HP, hein. Oui, mais tu seras tout le... Ah non, c'est... Bah non. Oh, je croyais que c'était half. Bon, c'est pas grave, sait-on jamais, ça peut proc. Good RNG, ouais, pour avoir évité la cure. 25%. Ouais, une chance sur 4. Ouais, bah j'ai pas la même schneck habituellement. C'est la chance du débutant, tu vois. Là, pour le coup, c'est exactement ça. Attends, Mocha, je viens de te donner à manger. Qu'est-ce que tu viens faire? Va te coucher, là. C'est... Normalement, c'est manger, dodo, caca. Va dormir. Hein? Bah oui. Alors. C'est vrai que c'est bien, on a le temps de regarder le jeu, tranquille.
Alors, ouais, c'est le jeu du chill. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je te dis chill stream, c'est qu'en fait, je speedrun pas, quoi. Oui, bah. Concrètement. Non, mais tu vois, comme je suis habitué à jouer à Hearthstone, des fois, j'ai envie de. Faut que ça bouge, quoi. Faut que ça avance le jeu. Et en fait, bah, du coup, tu peux y aller tranquille. C'est pour ça que quand je te dis de regarder un truc. Bon, bah, finesse. Et Shockwave, Searing Blow. Après, je comprends que tu veux pas épiloguer sur certains plays ou quoi. Oui, voilà. Enfin, c'est plus que une fois que c'est terminé et tout, j'ai bien envie de passer à la suite parce qu'une fois que c'est terminé, ergoté oui. Sur. Enfin, ouais, surtout si c'est pour des détails. Ouais, mais est-ce que je ferais pas le offering quand même? Ah, pourquoi pas? Tu vois, voir si un je. Armement dans cet offering. Ouais, je trouve qu'il peut être value. Hein. Vas-y. J'ai la barricade qui pourrait être sympa. Ah, oui. J'ai un bash. Pas mal de belles choses. Ah non, mais pour moi c'est genre Shockwave, Barricade et je sais pas, il y a quoi d'autre. Bah du coup ce sera que Defend. Parce que Spot Weakness ça pue. Mais après là je peux faire Bash Searing Blow. Mais bon, Barricade est cool. Je sais pas ce qu'il fait trop cet ennemi après. Je crois que c'est une grosse merde en vrai. Ouais, franchement, autant essayer de go lui péter le cul. Tac, flemme barrière. Merde, pas flemme barrière, Searing Blow. Puis voilà. Puis le bash comme ça sera persistant, non? Go, go. Ah oui, je suis ex, ok. Armement plus. Your next attack is played twice. Ah, du coup, ça va être. Ah, Jojo. Tac. Your two next attack. Oui, je sais. Oui, j'avais bien anticipé. Tac. Armement. Ça y est, ça y est. Est-ce que... J'ai peut-être quand même bloqué. Parce que pour quelle raison? Parce que j'aimerais bien regagner mes... Ah non, c'est 6 HP seulement que je regagne. Ok. Non, bah je l'attaque. Tu seras quand même pas full dans tous les cas. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Après, vu le chemin qu'on a pris, c'est peut-être bien, même si ça ralentit un peu, de juste défendre et... Ouais, oui. Parce que moins de PV je perdrai, le mieux ce sera pour la route. Quoi. Tout à fait. Soyons safe. Ouais, dans le jeu, faut être safe, hein. C'est une belle run, ce serait cool de l'envoyer au bout, tu vois. Le Perfected Strike a 30 damage. Avec vulnérable ou sans 9. Vulnérable? Non, bah là, il est mort. Ouais, donc c'était 30, 45 en fait. Ah, non, c'était avec. Alors j'ai un autre armement, mais on va pas le prendre quand même. J'ai un autre Thunderclap. Je pense que j'ai bien envie de prendre ça, mais il y a le Shrug It Off, ouais, qui est sympa. Thunderclap, c'est bien. Bah sachant que tout le monde est cool. Voilà, on n'a pas trop d'AOE et ça applique vulnérable à tout le monde, c'est cool. J'aime bien le Shrug It Off quand même, mais en plus il est déjà upgrade. Ouais, mais il est déjà upgrade. Oui, voilà. C'est limite, non. C'est clairement ça limite. Allez, petit point d'interrogation. Donnez de la value. La value. Ah, 75 girl, remove a card from your deck. Est-ce qu'on a envie de remove un truc? Non, puis c'est pas mal, Momo, pour ta chaîne, ce jeu, parce que finalement, ça reste dans l'esprit Hearthstone. Oui, oui, bah oui. Bon, après, tu sais, c'est pareil, j'ai pas non plus remove beaucoup de... Remove a card from your deck. La mais... curse de merde. Mais on l'a pas, justement. Ah si, celle... Non, on l'a pas eu. donc ça sont... que tu gagnes plus de sous. Non, mais ouais, mais c'est surtout que bon bah toutes mes cartes sont bien, quoi. Et oui. Donc voilà, casse-toi. Heureusement que t'as pas cliqué dessus parce que t'aurais été obligé d'enlever. Ouais, je sais. Bon réflexe de checker son deck. Bon, je tue le copain. Alors, armement plus,
Tiens, par contre, j'ai pas de... J'ai pas du tout de shield, donc je vais prendre un peu la bite. Hein. Mais avec Duke, tu vois, on aurait eu la curse, donc on l'aurait peut-être enlevé. Ouais. Non, mais armement, Shockwave, c'est bien. Ouais, bah ouais. Et deal 3, tout... Prendre 2,5, 4 times. C'est pas la potion de défense. Ah, je vais la mettre, ouais. Voilà, là, c'est... voilà. Voilà, tu vois, ouais, bon, je pensais pas aux potions. Parfait. Bon moment. Du coup, ouais. Bah oui, c'est ce que je me disais, mais bon, bah comme moi je regarde pas en haut, j'oublie qu'il y a des potions dans le jeu. Et c'est bien les potions. Ah, nickel en plus, 17. 17 d'encaisser, 17 de bloc. Ouais. C'est beau. Et ça se trouve, je vais pouvoir être full HP pour le mob. Enfin bon, j'ai... peut-être que je fais des plans sur la comète. Mais d'avoir le plus 1 d'énergie, allez. Là. Bah ouais, contre, le... contre l'élite en plus. Ça allez, peut être sympa. Bah, double défense. Hein. Ou alors, est-ce que lui, je lui mets combien? Double défense. Quoique double défense me suffit pas à me prévenir de tous leurs dommages. Ils vont s'arrêter de me taper un moment ou quoi? Jojo. Ah bah... Je t'ai endormi. J'en sais rien. Je pourrais pas te répondre en vrai. Je connais pas tous les patterns des monstres, tu vois. Oh non, je sais pas. T'avais l'air de faire ton show. Les patterns des élites. Parce que les élites, voilà, il est tout seul. Et donc je peux me focus sur lui. Ouais. Quand il y a trop de monstres, ah merde. Je vois. Lequel je peux tuer? Non, bah on va se défendre. Voilà, ça c'est cadeau. Ah oui, c'est vrai que j'ai un en plus. Bah voilà, double défense, un petit strike dans ta gueule. Très bien. Ah, il m'a mis un vulnérable. Top, oui, oui. Heureusement que tu l'as vu. Ouais, parce que sinon le hunter est rouge, tu vois. Il te le prévient quand même, il y a un signe graphique qui te prévient que... Hey, pep, pep, ouais, 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 je sais pas, ouais, il y a un truc qui m'a tiré l'œil et j'ai fait... Ah. Oui, c'est ça, c'est quand t'as le hunter. Ouais, exactement, c'est ça qui m'est arrivé. Je fais finesse avant d'armement. Ah oui, oui. Non, juste aujourd'hui, je pense. Oh, le offering! Le offering, je joue. Tu vois, Duke, faut piocher avant! Ouais, clairement, là. Oh, pété! Oh, c'est abusé. Je lui mets combien, lui? 13? Avec ça, je lui mets 15. C'est lui 40. On sera pas full HP du coup. Ouais, 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 je sais, je sais. Perfect strike, tu le fous. Mais tu sais que je le tue là, le boss en fait. On est d'accord. Oui. Je lui mets 2 x 40. Oui, oui. Y a pas de feinte sur, ses, sur son armor, machin. Y a pas de feinte. D'accord. Donc je lui pète la gueule. Rentre chez toi, fils de pute. Oh, comme je l'ai défoncé! Migo Face! Migo Face? Mirita? Nope. You cannot play attack for one turn. Oh, le vilain. Oh, vilain. Oh, regarde! C'est bien ça. Ah, et Tangle, ouais. Un Tangle, ouais. Le double tap. Bah, ça marche pas avec les attaques. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tellement bien le flame, la variable. C'est pété. Putain, cette run est. Ah, la qualité, hein. La qualité d'une run. Ah, je vais remonter un peu le son du jeu, je l'avais.
Je l'avais un peu embaissé, mais... Ça fait longtemps qu'il t'a dit. Environ 11 minutes. De quoi? Le coup d'RNG. Ah oui, bah oui. Bah c'était pour la curse. Oui, oui. Ah, une bloc potion. Jojo, tu gardes en tête. Ah, j'ai un autre Perfected Strike. Le Hunger Plus est cool, mine de rien, avec... Ouais, c'est pas mal, mais tu vois, Infinite, en fait, non, mais... Hunger, Perfected Strike. Oui. Mais si t'as un truc qui s'appelle... j'ai pas le nom, mais qui est une carte... Il y a un fond bleu qui fait Create Copy of a Card Power of or Attack. Et en fait, en version évoluée, c'est Create. Oui, je la vois, cette carte. Ah, en plus, le Perfect Strike, il est déjà en plus, tu vois. Ouais. Ah, le Flame! Il y a le Flame Barrière. Oui, je l'ai vu. Mais bon, c'est bien quand même de pouvoir one-shot un mob, tu vois, de temps en temps. Mais je l'avais vu. Bon, une petite élite en commençant à 77 PV. Avec une potion. Je prendrais le Flame Barrière pour la safe-itude. Ah ouais, mais c'est trop tard. Non, les strikes. On a dit, quand il y a du strike. On est quand même Migo Face au départ, hein, Joujou. Elle est l'élite. Barricade, oh. Defend et. Bloc potion. Déjà, non, Thunderclap, il faut qu'on conserve le vulnérable. Barricade, Thunderclap, potion. Tu peux pas tout jouer. Ah, potion. Si, potion. Ouais. Bah, si. Je prends pas C12 comme ça. Comme tu veux. Bah, je propose ton play, je prendrai ma décision, mais non, pour non, moi mais c'est ça. Pourquoi pas. Pour moi c'est j'aurais, le play. J'aurais juste pris les 12. Moi je m'en bats les couilles d'être à fond. On sait pas si j'arrive à être à fond au bout, rappelle-toi, j'ai le. Je sais plus où il est, c'est quoi. Mais... Voilà, on tente. De toute façon, je vais l'utiliser dans le fight. Sachant que je vais l'oublier à un moment donné. Autant le faire maintenant. Ah, et tu vois le end turn, il est genre avec un bouton, genre tu peux appuyer sur le end turn. Oui. Oh, le armement. Armement double tap. Eh ben, j'ai une shockwave. Ah, oh, j'ai un. Tu vas peut-être le faire tanker comme il faut en vrai. Du coup. Tu veux... Oui, non, mais je sais que je vais. T'inquiète pas, Diok, je sais que je vais lose des PV. Mais c'est juste que bon bah la potion au moins elle est. Bon bah shockwave hein. Tac et puis En vrai ouais si shockwave. Bah ouais faut que je le weaken. Hein. Ouais. Puis là c'est bien, on est bien. Oui, on gagne du bloc. Okay. Non ouais, mais. T'es obligé de perdre des PV, armement c'est vraiment. Prends 7 déjà. Donc non, Thunderclap. Ouais. Oh, t'inquiète. C'est le play passé. Du coup, là, ça va être du flemme barrière défense. Searing Blow. Ah, le Searing Blow, on l'a pas encore eu dans les armements. Je suis pressé d'avoir ça avec un boss. Ça va être fun. T'as pas assez d'armement pour qu'ils deviennent value de ouf en fait. Ouais, ça va, j'ai deux armements buffés. Tu cycles pas assez vite. Voilà, c'est plus ça. Mais c'est pour ça que c'est pas que j'ai pas assez d'armement, c'est que j'ai pas vraiment assez. Pour qu'ils soient dans ton dev, dans ta main en même temps en fait. Ouais, avec un offering, ça va finir par passer. Je vais juste me surbuff en PV parce que strike c'est pas. Voilà. Vu que j'ai le armement. Je me protège comme un porc. Armement, Jojo. Bah oui. Ah bah oui. 4x4 qui veut me mettre. Lol. Facile à tanker, sachant que la barricade conserve. Bah je vais quand même pas le tanker du coup, vu que j'ai pas pioché de... Mais bon, je vais lui mettre des PV dans la gueule. C'est-à-dire 45. Plus le sword boomerang.
4x4, 16. Non, d'accord. Il y avait tellement de moyens de faire un genre double perfected. Ouais. Ça mettait genre trop cher. Ouais. Mais bon, ça le tue pas. Après, c'est vrai que du coup, l'armement était pas spécialement utile. Ça aurait pu. Mais il y avait un. Ouais, ouais, il y avait un perfected qui était pas plus. Hein. Enfin, qui était pas upgrade, quoi, du coup. Ah, le offering est là. Dommage qu'il n'y ait pas l'armement. Oh, intense to attack, gain 3 strengths. Ok. On va faire le finesse avant le offering. Ou le offering en premier. Offering en premier. Ouais, en cas d'armement. Pas d'armement. Alors, il prend combien ? Regarde ton deck, regarde la carte dans ton deck. Non, mais c'est bon, c'est trop tard, c'est fait. C'est qu'en fait, il y avait qu'une seule carte. Oui, j'ai compris. C'est passé. Bah, je le tue. 45 et. Ah non, 45 et 33. Si, je le tue. Est-ce que tu peux me confirmer si je joue ces deux cartes? Bon, de toute façon, j'ai aussi. J'ai 6 mana. Bah, 45 voilà. Plus. Ah, c'est bon. Dead. Faire un spot weakness avant même. Non mais il est fini, il est fini. At the start of each combat, il tout. Ah c'est bien. J'ai eu la blood vial. Ouais. On va essayer de l'avoir ce passif du runique machin. On va bien finir par l'avoir. Mais du coup, ouais, genre si t'avais pas bouffé l'offering et que plutôt t'avais checké, t'aurais eu les deux perfected strikes et t'aurais pas perdu 4 HP. Non, il y en a un qui venait de la pile de défausse. Allez, on va pas. Voilà. C'est passé. Ça serait bien si tu chopes le vampire en évent. Je sais pas ce que c'est le vampire. Le vampire, ouais, c'est ouf. Mais ça remplace tes strikes, donc c'est bon. Ouais. Mais ouais, ça te permet d'être full HP, genre bien quoi. J'hésite entre le Shrugitoff et le Boomerang. Le Shrugitoff est pas mal en vrai. Ouais, franchement, j'aime bien. Après, le Warcry Plus, c'est pas si mal. Ouais, je suis d'accord. Mais... Parce que genre. Je peux décider, ouais, si je peux. Je la refais au prochain tour. Du coup, je peux la mettre au-dessus de mon paquet. Et je la repioche au prochain tour. Ouais, j'aime bien en fait. Surtout qu'on disait qu'on n'avait pas assez de save. Enfin, on en a, mais pas assez. On va. Je pense qu'on va prendre ça. Hein. Après, le gate. C'est vrai que je manque un peu de bloc de temps en temps. Après, j'ai eu une fois un truc de bizarre avec ce vampire. Il me proposait. De remplacer tous mes strikes par des bits, du coup. Des bits par des bytes. Oui, je sais, j'avais compris. Je t'ai spoilé, du coup, dommage. Et du coup, ouais, il me proposait de remplacer les strikes par les bits. Ouais, Warcry, il aime bien aussi. De remplacer les strikes par les bits et de perdre 30% de mes max HP. Ah oui. Bah, j'ai juste remplacé les strikes par les bits. Et les bits. Allez, un petit mob là. Allez, j'ai régène des HP. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces petits mobs là? Du coup, c'est un bug, c'est quoi? C'est genre. Bizarre? Un délire. Non? Ah, j'ai un armement plus avec le. Avec des fois, il propose pas le choix, tu vois. Genre, il dit ouais, c'est 30, allez. Oh, Jojo, regarde. Le Thunderclap joué deux fois, quoi. Les packs, celui du fond, heal son pote. Et lui-même en fait, genre autour il fait 16 HP à tout le monde. What? Ouais, mais ça va bien se passer, Ça va bien se passer, ne vous en faites pas, le double tap, une petite double thunder clap, two double strike, oh là 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 là. Non, j'ai pas fait le double strike du coup.
C'est vrai que j'aurais pu. J'ai voulu assurer mes HP. Ça faisait 13-13, ça mettait 26. Ouais, j'ai eu. Alors que là je vais le tuer. Vrai. Je vais le tuer avec ça, tu vois. Hop. Ah, donc c'est si on a un item en particulier et on a plusieurs choix. Ok, okay. Merci pour l'info. Et ben le sang du maître, on l'a pas là, le truc de avec la potion qui me redonne 2 HP en début de combat, c'est pas ça? Qui du coup transformerait nos strikes gratuitement en bits. C'est pété. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, je tue lui. Perfected. Et 33. Ou alors, je le rends vulnérable encore plus. Non. Il est non 4 tours. Non, c'est bon. Lui, il fait combien avec... Tac. On est yam. Ouais, c'est ça, shield de toi. Shield de toi, mon coco. Alors, il veut m'attaquer. Ouais, on a la flemme barrière. Est-ce qu'on le tue? 33. 3 x 4, 12. 21. Plus 33. Non, on a pas de truc pour weak le mec, 4, à part le 54. Wave, je crois que j'ai l'étal. 54, il y a 41. C'est oui. C'est clairement oui. Avec son bloc? Ah oui, c'est... Tu vas voir. Ah oui, j'avais pas vu. Je n'avais point vu. Ah, j'ai le Metallicize. Le cliff serait pas mal vu qu'on n'a pas tant d'AOE que ça, mais là, le Metallicize est beaucoup trop... Il est là, quoi. Il demande qu'à être pris. Avec la barricade et tout. Il faut attendre de l'Evo pour que ça soit calme, du coup. Oui. Il faut avoir l'armement avec, ce qui est pas... Oui. C'est ça qui m'emmerde. Ce qui est pas ouf. Bah non, mais si je l'ai en toute première main de départ, j'utilise comme ça. Si, ah, tu fais Metallicize barricade, je suis d'accord. Bah voilà, enfin, je sais pas... Si t'as l'offering à côté, c'est encore mieux. Genre offering, armement... Après, c'est vrai que le cleave serait safe pour avoir un peu d'AOE, quoi, mais ça donne tellement envie, là. J'aurais quand même pris cleave. Hein. Ouais, c'est vrai que derrière un thunderclap ou un shockwave... Ouais, cleave. Mais il était tentant pour la synergie avec... Oui, elle est pas si ouf que ça, je trouve. Ouais. Non, mais le cleave était un peu nécessaire. Bon bah donc on va repartir. La finesse, putain, j'avais bien raison de la prendre, quoi. On va partir vers le boss. T'as remarqué qu'elle arrive tout le temps en même temps qu'offering dans ma main? Laquelle? Finesse. Ah ouais. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai tout le temps finesse et offering en même temps, quoi. C'est un truc de ouf. Bon là t'as ton feu de camp, mais Non mais bah, on a dit qu'on allait vers les élites qui sont là. Parce que le feu de camp, il me ferait passer par là. Feu de camp, je peux encore rencontrer un élite. C'est mais ça. Deux points d'interrogation, alors que là, je peux faire un point d'attaque. Ouais, go, point d'interrogation. Ouais, et avec l'event, on aura les bits. On va avoir les bits. Oh, 85 gold, receiver relic. Nickel. On est bien d'accord, hein. Ah bah j'ai le if you end your turn on without block gain 6. C'est pas forcément ouf vu que j'en joue du bloc. Ah, mais... Ricky Earl Jax, putain, je sais pas ce que fait le Jax et vous, ouais. Mais... J'ai failli l'avoir l'autre fois, je sais plus ce que j'avais. De ce que j'ai vu dans les succès, Jax Evo disons, enfin l'Evo de... Là, Ricky Earl Jax, ce serait pété. Upon pick up, upgrade, 2 random skills. Oh! Genre là, ça va m'upgrade tout truc aléatoire. Ouais, qui sont pas déjà évo. Spot weakness et double tap. Je vais l'air. Allez! Demander. Donc mon double tap et tac, et le spot weakness, c'est bien ça, c'est bien. On est donc bien. Donc là, tu vois,
pour ce type d'artefact, enfin de relique que tu gagnes, finalement, si t'as un truc de type add a random card ou add a card, choose a card, voilà, prends la carte avant de regarder le. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs avant pour après lui donner l'occasion de skiller, quoi. Yes. Enfin, si la carte m'intéresse à être upgrade, en l'occurrence. Bah, si plutôt il te reste que deux cartes et que tu veux upgrade ces deux-là spécifiquement. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Alors, il compte me mettre un negative effect. Et ben je pense. C'est le truc qui fait confuse. Au bout d'un moment, enfin au deuxième tour, tu vois, là, il est en train de charger son confuse qui va te randomiser le coup de tes cartes. Ouais, je sais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Et ben ça va être Bash Perfected Strike. Ouais, ouais, hein, je suis d'accord. Pour le coup, c'est un peu no-brainer. Obvious. Ah oui, et du coup, j'ai gagné mes 6 d'armes. Non, mais là, je suis beaucoup trop bien. Randomize. Ah, le recalque, hein, putain. Avec Metallicize, c'est vrai que j'aurais pu faire des choses là, du coup. Mais on vient de l'avoir, le recalque. On l'avait pas au moment où il y avait Metallicize qui avait pop. Alors. Et finalement, tu vois, avec la barricade, on sait que le recalque est pas si ouf que ça. Oh, on va offering, shockwave, defend, a priori. Et voir ce qu'on a du coup. Offering, il coûte 1 là. Ah, il est rendu. Bah oui. En fait, mes deux cartes que j'ai envie de jouer, elles coûtent un de plus que d'habitude, quoi. Ça fout un peu le seum. Mais bon, le defend est à 0, et puis avec l'offering, on peut peut-être choper des trucs oui, pas chers. Qui coûteront 0 et qui seront bien, genre barricade. C'est faux, ça n'a pas marché. Par contre, j'ai un armement plus. Ou spot et ah, c'est vrai, moi j'ai le play. Armement plus, shockwave, defend. Tranquille ou pilou. Du coup, quand j'ai armement plus, je me dis que ça, c'est acharnement, tu vois. j'ai même assez de défense, donc je peux faire un strike plus. Sachant que j'ai pas ma barricade d'active. Tac. Et du coup, le recalque ne sera pas, va pas proc. Non, bah oui. De toute façon, j'avais déjà 5 ou 6 d'armure de base. Oui. Donc il n'y avait pas moyen de. Tour 2, le truc est déjà midlife. Ouais, grave. Et ben, il compte m'attaquer. Ah putain, ça coûte cher du coup tout ça, hein, c'est relou. Ah, c'est de la merde. Deal 22, deal 33. On va. Le Perfected Strike qui fait son taf. Hein, ouais, mais on a dit qu'on jouait, la safitude, Jojo. Donc ça va être le bloc. Ah, là c'est cure. Ah quoi que c'est vrai que je gagne. Mais non, mais je gagne 6 tout pile. Bah non. Bah oui. Bah oui. Bah oui, tous les jours. Je valide. Voilà. Il serait-il pas mort en plus? Non. C'est non. Oh, il l'aurait. Ah non, il l'aurait même pas été. Bon, enfin bref, là il va mourir comme une merde. Ah ouais, ils sont pas strike plus, ouais, ok. Il prend sa bite et puis bah, voilà. Il manquait un point. De ce que j'avais calculé, il manquait un point. J'ai une swift potion. Oh, pour zéro. J'ai un draw 3 cards. Enfin, un Searing Blow, il est mort, quoi. Non mais on sent. Hey, c'est fini, Jojo, le. Il est fini, le. En fait, c'est que t'as fait le. J'ai fait en sans-branle, j'ai fait je le tue et puis au revoir, quoi. Bon bah donc une Swift Potion, faut y penser. J'ai un autre Searing Blow, mais le Headbutt je pensais trop bien là. Ah bah oui, du coup tu fais revenir acharnement, quoi. Ouais. Ou autre si besoin, mais voilà quoi. Après Pommel Strike, ça fait un strike de plus et un draw qui aide à cycle. Ah en fait je suis plutôt Pommel Strike là sur ce pic, tu vois. Allez, c'est vrai. Et en plus Pommel Strike fait draw 2 hein, quand il est Evo. Il me semble que oui. Oui, parce que j'avais même hésité un moment à le. Oui oui. C'est oui. Allez, vous, oui. C'est oui. C'est oui. Allez.
C'est oui tous les jours. Il y a une relique. Oh putain. Qui fait qu'on a le choix entre 4 cartes, Momo. Et ça, c'est. C'est une bonne relique. J'avoue. Bon, je vais pisser. Plus de rares cartes, quand je bois du café, j'arrête pas de pisser. Ah, il va même pas sur Lilith pour voir c'est quoi. Il nous laisse dans l'attente, il nous tease. Ah bah Duke c'est parti en pause café. Non j'allais juste pisser moi. Je viens d'en boire un café. Non je disais juste que quand je bois du café, quand je spamme le café, je pisse toutes les heures quoi. Ah bah ça fait ça réagit bien pour le transit. C'est diurétique, si tu veux le mot, toi qui aimes bien les mots sympas, c'est diurétique. Toi qui aimes bien les mots sympas, c'est diurétique. Ouais, bah aujourd'hui, il va falloir tourner à café à la Monster. Mais Jojo, on fait, que ça de la journée. Hein. Non, mais moi, je te laisse. Après, Momo, Non. On se recale, c'est le reset day. C'est le reset day, mais moi, je viens de le faire, le reset day, Momo. Mais que dalle, t'as rien fait du tout, arrête. Tu vas pas encore te coucher à midi, ça va te foutre la merde encore dans ton truc. Bon. J'ai... Il est fou. J'ai flemme barrière. C'est connerie. De là-haut. Comment ? Il faut aller la prendre là-haut. Hein. Alors en fait, si je mets là-haut, elle est bien. Mais tu vois là en faisant ça. Moi je dis il faut la mettre pour conserver le vulnérable au prochain tour sur tous les meubles. Bah en fait là moi je serais plutôt d'avis de buter un des mecs qui a beaucoup d'attaque. Ouais. Parce que comme ça me fait tanker beaucoup moins de dégâts. Et derrière je vais pouvoir les gérer tranquillement. Tue le gros à 60 alors. Mais je peux pas le tuer par contre. Bah parce il prend 4. Ouais mais il prend 4, je lui mets 49. Je peux pas le tuer. Bah 59. Hein ? Non c'est 49. Non j'ai rien dit. Bon bah attaque celui à ça. Non bah. Non, celui qui met le plus cher, tranquillou. Oui c'est vrai qu'en fait. Oh au plus, c'est vrai qu'on est quand même contre de l'élite et on a... pour l'instant on est même pas. Ok on en a one shot un, c'est le tour 1, Ouais c'est ça. C'est genre. Ah bah tu vois un clip, ça c'est bien de l'heure. Bon bah ça va être la finesse. Quand même dommage pour le Thunderclap et... Oui, bon il va revenir. Il y en a un deuxième dans le deck en plus. Hein. Il y en a deux. Ok. Il y a un double tap cleave qui est sympa. Il y a un double tap cleave qui est sympa. Hein. Tac. Et Là, je sens que si on joue finesse, la recalque ne se déclenche pas. La quoi ? Oui, mais je vais me bloquer de toute façon. Oui, il y aura les défendre, mais là, tu vois, je prends note. Que, par contre, je peux peut-être faire un. Non, pour lui mettre 12.
Non, non, du bloc. Hein. J'hésite. Après, en fait, j'hésite pour mon dernier. La potion de draw, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, ouais, ben là, c'est maintenant que j'ai joué mon tour. Ouais. Moi-même, c'était pas. Bon, ça aurait pu, effectivement. Defend ou strike? On met defend. Ouais. On a dit safe. D'accord. Oui, oui, non, mais je parlais. C'était justement pour le dernier que je posais la question. Ah. Non, mais tout va bien. Et ben là, pouf. Perfected strike. Il dit le 24. Tu vois, j'aurais pu le tuer du coup grâce au strike. Après. Non, mais t'aurais pris plus cher. Alors que là, oui, juste. On est bien quoi. Le shockwave va faire le. Spotted witness avant. Mais non de la force. Mais oui, mais shockwave. Shockwave, ça fait pas de dégâts. Non, spotted witness. Oui. Pour tuer celui qui met 7. Ouais, ou je sais pas. Bah oui, parce que si tu fais Spotted Witness, ça change. Ah, non, c'est mille vulnérables. Ok, non, j'ai rien. Je veux juste voir les dégâts que je fais avec ça. Ouais, voilà, j'en tue un comme ça. Non, clairement. Oui, oui. Et tu lui baisses les dégâts qu'il mettra avec toi. Oui, oui. T'as raison. On est d'accord. Je croyais que tu voulais essayer d'en tuer un. Bah j'en ai, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah, et en plus, le recalque va pro, on comprend rien. Alors, j'ai un armement plus. Est-ce que je offering? Parce que lui, il va quand même prendre... Ou alors, avec tu draw 3 cartes avec la potion. Ouais, mais du coup ça me fait chier de la claquer alors que j'ai le offering en main, tu vois. Alors qu'il est mort? Bah alors Non, pas alors qu'il est mort, il est pas mort en l'occurrence, mais Bah armement bash. Il me semble que ça suffit pas. Parce que armement il passe à 10, donc 14. Il n'y a pas l'offering, il faut remonter à full HP, tu vois. Enfin, il faut être bien en HP. Ouais, non, moi je ferai armement bash strike. Pour monter les dégâts de bash. Ouais. Et de strike. Et puis je vais avoir mes 6 trucs qui proc en fin de tour. Donc non, tu l'auras pas, mais l'armement va mettre 5. Et ah oui, armement. Effectivement, j'oublie toujours qu'armement me donne du. C'est ce que je t'ai dit en début. Tu... C'est ce que je t'ai dit en début. Bon bah voilà quoi, y a plus qu'à le finir. On va le piocher pour le lols et on le finit avec ça. Pas touché. Choose a power card at the start of each combat. This card will be in your hand. Allez. Pétail. Ah, il me propose que barricade. Bah oui, t'as que ça en power card. Ah, mais ah d'accord, ok. Non, mais je croyais que j'allais en avoir une nouvelle, en fait. Ah, t'aurais dû prendre add a card to your truc avant de prendre le truc. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait add a card. Ah oui, pardon. Ok, effectivement. Effectivement. Après, bon, dans les cartes... Voilà, pas de pouvoir, pas de regret. Et on va faire... Je pense que un double tap dans le deck c'est suffisant, tu vois. Après, oui. C'est quand même un peu fort. Je sais pas, je vois pas encore. Ouais, en vrai, non, je sais pas, je le prendrais. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, parce que bon, le hunger est pas mal dans l'idée. Pas de regret sur la pouvoir card. Oui, c'est ce que c'est ce que je t'ai dit quand elles sont apparues. C'est le délai du viewing, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, double tap. Après, Swordboom. Non, mais c'est vrai que j'ai pioché du cleave, donc là-haut. Puis en plus, c'est un peu RNG, donc.
double tap. Un double tap perfected strike, bien upgrade, ça one shot un peu. Hein. Alors le double tap bash. Oui. Double tap, c'est en fait triple tap. Mm. Triple double tap ou je sais pas. Clairement. C'est bien. Bon, on va au point d'interrogation et après on décide des bits ou machin. Moi j'attends les bits là. Les bits. Get jaxed. Ah ouais, mais c'était avant que du coup il aurait fallu avoir jaxed. Ah ouais, et tu vois, du coup elle est pas. En elle-même, elle est pas la ouf. La carte est pas ouf en soi, ouais, je suis d'accord. Sachant que. Ça, plus 3 pouvoirs hein, quand elle est EP. J'ai pas de marchand sur ma route. J'ai pas de marchand là sur ma route, on est d'accord? Non, je crois pas, mais il reste l'acte 3. Je peux la voir la map. Oui, tu pourrais voir la map, on est. J'ai pas de marchand. Non, mais je vais pas la prendre. Hein. Ça me botte pas plus que ça, tu vois. C'est toi qui vois. Après, tu peux ne pas la jouer, tu vois. Et juste avoir la carte. Ouais, mais du coup, si c'est pour pas la jouer, elle est juste en pollution, quoi. Bon, et puis on aura peut-être des choses à faire avec l'or dans des events. Okay. C'est plus ça, ouais. C'est que, vu qu'on gagne plus d'or, je préfère les garder, là. C'est pas le plus intéressant. Bon, je suis à 70 HP. Donc je pense qu'on peut se permettre de tanker un élite, hein. On n'a pas de truc qui nous donne plus de force, tu vois. Alors, nos dégâts sont toujours un peu stackés sur du mid. Bah, nos dégâts, en fait, nos dégâts, ils sont. Si tu regardes bien ce qui se passe depuis tout à l'heure, c'est on les met vulnérables et on leur envoie des perfected strikes de porc dans la gueule ou des attaques. C'est ce que j'ai pu expérimenter. Des attaques de life tap en dégâts, coup. Oui, d'accord, mais là, le deck est un peu plus lent, un peu plus. Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus lent. C'est une autre façon, enfin voilà quoi. Je pense qu'il est tranquille comme ça. Ouais, on peut se permettre de faire un élite là. Ah, j'ai réussi à revenir sur le. Ah bah bien sûr, si tu cliques encore sur la map. D'accord. Non, j'ai fait. Comment j'ai fait? J'ai appuyé deux fois sur. La map. Non, sur settings. Oui, mais si tu fais clic la map. Non, ça fait rien. Là, regarde, clic sur la map. Oui, en haut, d'accord. Oui, oui, on fait l'élite, hein. Ou un event. Non, l'élite. Élite, hein. Ça nous fera une relique assurée. Enfin, assurée si on le bat, mais a priori, on est quand même pas mal. Si, draw 3 cards. Avec la potion. Ouais, mais j'aurais pas le mana. Enfin, tu vois, j'aurais peu de mana quand même. Peut-être, faut voir. Parce que là, mais c'est vrai que là, vu qu'on a pas de défense et tout, on aimerait bien. C'est pas les cartes qu'on a envie de jouer en début de game, quoi. Donc, on va clairement de retour. Je suis assez d'accord. Je sais que t'aimes bien spot weakness, mais Ah, c'est vrai qu'il est fort. Après, je peux faire. Bah oui, je vais faire ça. Barricade, spot weakness. Parce qu'en fait, je gagne 6 de blocs avec mon Auricalcum là. Ouais, pas mal. J'aime bien. Comme ça, ma strength elle est là. Tu vois qu'on en a de la strength au fait. Là, ça va commencer à faire des pains. Là, on va mettre des bons pains. Ouais. On tanque un bon coup dans la gueule. Le tap qui faisait fou. Mais ouais. Oui, mais autant avoir du double tap pour un perfected strike. Bah là, tu vois, il y avait un truc à faire qui était double tap, enfin spot weakness, double tap pour le premier truc qui faisait. 6x4 avec un exact, 9x4. Exact, c'était pas mal, on est d'accord. Bash. Ouais, bash perfected strike, mais c'est vrai que le double tap perfected strike m'aurait tellement tenté. Mais bash perfected strike, hein. Ah non, toi tu veux double tap bash.
Est-ce que ça veut dire que j'utiliserai Defend alors que j'ai la gemme? Non, franchement. Ouais, non, c'est pas si bien que ça. Bash, Perfect Strike. Il prend cher. End of turn. Il met 6 au total. Je suis serein. Ah, le Shockwave, le Offering est là. Ah, Jojo, j'ai Warcry plus. Allez. Est-ce que tu veux pas utiliser le remonte ta main, mets une carte sur ta main à la fin de ton tour. Parce que si tu pioches des trucs... Je vais d'abord Offering. Ok. Offering puis Warcry plus. Attends, faut voir ce qu'il y a dans la main du coup. Oui, bien sûr. Alors, j'ai une finesse, j'ai armement. Ah voilà, Offering. Faut que je vois. Donc, moi je pense que ce que je fais, c'est que je prends Warcry plus. Et comme ça, j'armement tout ce que j'ai. Et on va virer... Alors, sachant que j'ai 6 mana, je vais faire un armement. Un shockwave, donc 3. 3, 4 et 6. Ouais, je vais faire ça. Donc on va virer le defend. On aura au tour d'après, ouais. Finesse, j'ai pas envie de le jouer pour avoir mon bloc bien. Ouais, ok. Donc on va armement mais tout non, ça. Mais non, parce que armement te donne du bloc. Donc joue finesse. Ah oui, armement me donne du bloc. Exact. Bien vu, Jojo. Un autre defend. Est-ce que je pommel... Non, pommel strike me fait draw 2. Quand elle est déjà Evo, elle te ferait 2, tu vois. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Elle me fait draw 2. Pour moi, c'est Shockwave, soit Pommel Strike, soit Thunderclap, et Perfected Strike pour finir. Shockwave, c'est sûr. Clairement. Moi je dis pourquoi pas Pommel Strike pour draw, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut pas l'étal, Kappa? Bah, Kappa. 21 et 55. Ah bah c'est trop tard, il a été choqué. Mais effectivement, on pouvait peut-être. Ah oui, c'est ce que disait Diox. Oh, y avait moyen. Encore une fois, on va pas... Maintenant que ça a été lancé... On va en rester là, mais... Bah, fais un défend, tu vois, pour genre dire qu'on est à 12... Mais non, défend, il me donne 8. Ah oui, si, d'accord. Donc un défend perfected strike, quoi, pour toi. Bah, fais un pommel strike, limite. Bah non, parce qu'après, je peux... Là, c'est le moment de faire... Oui, ok. Non, c'est très bien. Normalement, on devrait le finir au tour d'après. Tranquille. Tranquille, Emile. Si j'armement, normalement les deux le finissent. Hein. Ouais, j'ai pas vu, mais 38, tu vois, je suis super flex du coup. Super flex. Je ne sais pas si c'est 38. Strike, il augmente de combien? De plus 3. De toute façon, ouais, 10, parfait, pile létal. Parfait. Upon pick-up, upgrade to random attack. Donc j'ai une carte tout mon deck avant. Ou pas. Ouais. Prends une carte. Deal 2 damage 5 times. Pommel strike, hein, dans notre situation. En plus, ça fait un strike de plus.
Non, non, vraiment, faut lui spell. Oh, c'est pas mal le Fire Breath Taking. Ouais, ouais, j'ai vu, mais en fait, tu remarques, je sais pas si t'as remarqué dans le gameplay, mais on en joue pas tant que ça des attaques partout. Donc je ne suis pas pour. Ok. Du coup, j'ai pas bien vu ce qui a été upgradé. C'est vrai que t'as pas assez d'énergie pour bien. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il faut avoir genre des trucs qui coûtent zéro. Il y a eu un upgrade sur quoi ? Il y a eu un upgrade sur un boomerang, je crois. Et sur un strike. Ok. Bah, petit mob. Ah, c'est les cocos. Bon, donc il faut tenir le coup, c'est ça que tu me dis là ? Bah ouais, Jojo, on va pas... Franchement, c'est l'occasion de se recaler. On va gérer mon cul, hein. Mais si. Bon, les jeux de rôle. Moi, je me dis que justement, s'il est 10h, je serai plus alerte ce soir. Et pour faire le stream de la soirée. Non, il faut que j'aille me coucher. T'es nul. Oui. Choose a card to put... Warfare, tu mets barricade au-dessus. Ah oui, c'est vrai que je peux... Non, peut-être pas au-dessus, en fait. Si, non, tu ne joues pas. Tu la mets au-dessus. Ah non, tu mets double tap au-dessus. Ah non, on peut rien faire, c'est de la merde. Ouais. C'est un tour de merde. C'est un tour de caca, on est d'accord. Du coup, bah, non, du coup, je vais jouer la barricade à ce tour-ci, donc je vais mettre la flamme barrière au-dessus. Ouais, confirme. On est sur HS, what the fuck. Ah, je vais voir ça. Oui, oui, je viens de dire. Gros nerf sur HS. Ah, j'ai du lag. Lousis charge. Forcar next incoming. 31ème étage, on va finir l'acte 2 là. Oh bah de toute façon tu vas au bout de la run après, si tu veux te coucher, tu veux te coucher. Mais... Alors, ils veulent m'attaquer. Oh les perfected strikes qu'ils font. Ah c'est vrai on n'a pas pu conserver l'invulnérabilité. On va essayer de voir si on n'a pas un thunderclap. Oh le shockwave. Donc ça fait 54. Donc ça suffira pas. À Momo, tu vas. Soit tu vas être super content. Bah, déjà, j'ai vu Patches lose charge. Donc, ça, moi, ça me plaît. Et après, j'ai pas regardé la suite. Je suis en train de jouer. Donc... Razal enchaîné. Mais je vais regarder. Je veux pas que tu me spoil. Voilà. Je vais regarder après ce groupe. Et par contre, ça me fait plaisir d'entendre Razal enchaîner quand même, tu vois. Ça te fait plaisir d'entendre Razal enchaîner ? Oui. Je pense. Clairement. 39. Bon, on va flemme barrière. Hein. Comme ça, on prend pas. On tape un peu. Ah, le armement. L'acharnement. Alors si je fais ça, ça fait combien? Ok. Bon bah... 54.
Oui, bah t'es bien en retard là. Le play est fini. Ah oui, non, mais j'ai beaucoup de retard sur le stream. Je vais faire un reset du. Ah, Bonnemar nerf, c'est bien. Oh, le nerf du Corridor Creeper, il est monstrueux! OMG! Oh, le nerf de Raza est bien. Oh, je suis content. Je suis content. Le Corridor Creeper, ça fait super mal par contre. Waouh! C'est le truc qui faisait 5-5 et qui passe 2-5. Ouais! C'est d'une violence. Alors, est-ce qu'on le finit? Oh là, bah oui, il y a du double. Oh là là! Regarde ça, Jojo. Attends, j'ai la putain de pub là. Ah, oh, bah faut que tu vois. Dis-moi quand c'est bon. Justement, je profitais de ton truc où tu checkais. Alors, oh! Ah oui! Tac. Le Fomel Strike. De toute façon, c'est juste du pur overkill. On est là pour le LOLs. Voilà, voilà, voilà. Oui, bah tu l'as dit, Marwan, on a checké. Je viens de te. Ah, il fallait jouer Pommel Strike. Oui, voilà. Il fallait jouer. Whenever you lose HP, kill one strike. Boomerang. Ouais, t'as vu. Oh, j'ai un autre flame barrière. Je pense que je vais prendre ça. Scoot deal 7 damage twice. Je passe beaucoup de buff de porc. Bon, flame barrière. Hein. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Alors là, la question c'est est-ce que je vais me heal ? Pardon, je crois que j'ai eu une coupure. Non, je disais la question c'est est-ce que je me heal ? Et pour moi, la réponse est oui, je veux faire ma run safe. Le Smith me sert plus tant que ça vu que j'ai deux armements. Tu vas être même full HP ? Bah, plus oui. 24, je vais être à. Ah non, malheureusement. Si, oui, je vais être full HP, du coup, je vais bénéficier du truc, ouais, bah ouais. Le reste. Si, Momo, t'es full HP. Oui, je viens de te répondre que oui, je vais être full HP et du coup bénéficier du truc. Ah, putain, mais ça bug. Bah, parce que j'ai commencé ma phrase par non, et après j'ai dit ah ouais, si, nickel. Il y a même un de waste. Ouais, mais du coup, vaut mieux ça. C'est pas waste. Ah, on n'a pas eu le vampire de Beit là. Mais bon, ça baisse les Perfected Strike, hein, de 5. Ouais, ouais, clairement. Enfin, de 5, voire de plus, du coup. Tu réagissais à mes réactions, ouais. Bah, moi, il y a que la 2-5 qui fait un peu mal, mais bon, après, elle était tellement pétée. Mais je trouve 2-5, c'est un peu overreact, quoi. Ils auraient pu la mettre 3-5 ou 4-4, je sais pas trop, tu vois, un truc comme ça. Ouais, bah, je pense le Apply One Week to All Enemies, hein. Ou alors, je prends le Bloodling machin, oui, en fait, faire c'est bien. Ouais, des gros tours. Hein. Ça fait des gros tours. Ouais, ouais. Parce que t'as vu, des fois, on a plein de cartes en main, on peut pas tout jouer. Ouais. Moi, je dis pourquoi pas. Allez, le boss, là. Péter la gueule, Wiggy. On dit tout le temps ça avec un pote, parce que je sais pas si tu l'as vu dans la compilation que je t'ai envoyée. À un moment, il fait « Je vais te péter la gueule, vous voyez ?» oui. C'est le mec qui rajoute un « vous voyez » après le « péter la gueule », ça n'a aucun sens. Oh, le armement. Je sais pas trop ce qu'il fait, ce gars-là. Bah, pour l'instant, on sait pas. Armement, déjà. Armement. Armement, shockwave. Shockwave. Comment ? Armement, barricade, shockwave. Mais je peux pas. Barricade passera à 2. Ah, barricade passe à 2, c'est vrai que c'est ça. Ah bah voilà, nickel, c'est ce que je cherchais à. Eh bah parfait. Non. Oh, on est tellement bien là.
C'est genre le start nickel pour se mettre en... Oula, il spawn des minions, hein. Ah. Enemy intends to attack for 6. Lui, il veut m'attaquer pour 13. Ok, ok. Oh, j'ai Offering et Bloodle machin en main, quoi. Combien? Le gros tour. Clairement. Ah, j'ai pas eu de... Le cleave, il fait combien, là? 7, mais ça a pas pris en compte la... Ah oui, c'est qu'il y a que lui qui est weak. Il y a que lui qui est weak. Bon, je pense que les deux flemmes barrières, ils y vont. Il y a un Perfected Strike aussi qui... Double tap Perfected Strike, ouais. Ouais, ouais, bah du coup avec le Bloodle Sync machin. Ouais, ouais. Genre je mets mes... C'est un gros tour, tu vois. Ouais, ouais, non, mais clairement. Quoique, en fait, je suis même pas obligé de Blue machin. De Blue Feathering. Ou alors, est-ce que je fais pas un Cliff Twice? Non, non, double tap Perfected sur le boss. Clairement. Je les joue les autres. Je perds 3 pour gagner un shield de 5 et mettre un cliff, je pense que ça peut m'arranger quand même pour les petites merdes là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah oui, je suis quand même à 34 de bloc. Je viens de réaliser. J'ai grave envie de jouer Kid Demon. Bah oui, je comprends. Bah à défaut, tu peux regarder. Oh, le double tap Thunderclap. Ah, ça les tuera pas. Ah mais your next two attack. Par contre, je vais prendre un peu de dégâts. Du coup, le vulnérable pour le premier et vulnérable pour le deuxième. Enfin, vulnérable pas pour le premier, mais vulnérable pour le deuxième. Donc 4 va se transformer en 6. De quoi? Oui. Donc ils vont prendre 10. Avec le Thunderclap. Ah, toi, tu veux en tuer en fait. J'ai pas trop compris ton délire. Double tap Thunderclap. Bah c'est ça que je veux faire moi. Le Thunderclap va faire 4 pour le premier sur les minions. Oui et après... Ah oui d'accord, t'étais juste en train de décrire l'interaction. Bah non, il a fait 4 et 4. Ah non, il a bien fait 4 et 6. Ok. C'est dommage que j'ai plus le truc qui contre-attaque. Ouais. Bah j'en ai fait une fois. Hein. Bash sur le boss. Ou je tue un petit machin. Je dirais que tu les tues tous. Bah du coup pas tous, j'en tue deux mais... Parce que j'ai pas le mana pour... Ah. Mais ouais, je vais en tuer deux, effectivement. Ce sera plus serein. Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'il compte pas en réinvoquer d'autres en fait dans la partie 6. Ah bah il va en réinvoquer au bout d'un moment aussi. Ouais, au bout d'un moment, mais pas genre là direct que je viens de les buter, tu vois. Ça me ferait un peu chier. Bon, il est où le deuxième? Il t'en tue qu'un. Bah, oula, c'est trop tard. Hein. Ah, tu peux diriger le deuxième strike sur le mec. Oui, non, mais c'est trop tard, le play est fait. Ah. Ça fait un moment. Ah, oui. Bah, non, mais vraiment en plus. Quoique peut-être pas finesse parce que du coup on veut peut-être gagner le recalque.
c'est trop tard. Et je pioche du... De toute façon, je veux piocher un peu, donc... Ouais, on va tuer le petit... Oh, Warcry ! Non, tue-le pas ! Ah, pour pas qu'il réinvoque, bah c'est trop tard aussi. Tu as pas regardé là, ce qu'il comptait faire. Bah, il dit... Negative effect. Donc... ça m'indique pas beaucoup plus de choses. Est-ce que je draw two cards ? Oui. C'est le moment de lui péter le cul, là. Justement, s'il fait rien. Oui. On va virer un strike. Ben, un bon petit perfected strike dans le cul. Et soit un strike plus, soit un petit defend pour préparer un peu la suite. Non, strike plus. Hein. On lui pète la gueule. You are mine. Weaken, vulnerable. Ah, je gagne moins de blocs aussi. Il m'a fait un gros debuff quand même. Putain, Jojo, j'ai pas les... Pas les grosses cartes. Ouais. Un gros debuff, en effet. Ouais. Bon, bah je vais aller piocher. En espérant choper un... Ah, t'as pas les armements, c'est ça que tu me dis. Ouais. Et c'est un peu relou, hein, mine de rien. C'est vous ? Ils sont où ? Regarde ton deck, là ! Il reste dans ton deck ? Putain ! Si seulement je l'avais pioché. Bon, bah, c'est pas grave, il arrive le tour d'après, mais... Ça aurait été pas mal. On a encore 4 de vulnérables. Est-ce que le Thunderclap est vraiment nécessaire ? Bon, ce qui est sûr, c'est que ça part dans sa gueule. Ça fait quoi, 3 x 4, 12. C'est beau avant que tu joues. Je pense que je vais essayer de rentrer des dégâts. Oui, oui, oui. Ah, il réinvoque des minions. Ah non, il en a réinvoqué qu'un. Par contre, il a l'air plus énervé que les autres. Ah. Bon bah, armement. Oui, sword. Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, il a une plus grosse hache, en effet. Ouais. Quoique, je sais pas, en vrai. Ouais, il ressemble aux autres quand même. Ah, ça commence à se buffer en face. Mais il aura pas le temps, il va mourir avant. Bah, il a quand même des... Parce que là, 29 et 29, donc ça fait... 60, ça fait 58. Et il a pile 58. On est d'accord qu'il n'y a pas de feinte. Il n'y a pas de feinte sur son bouclier ou machin. Non, non. Ah, mais non, le pommel strike, il est pas plus... Ah, mais non, mais c'est pas un perfect... Si, voilà. Voilà, j'ai un... Ah, mais en plus, celui-là, il est plus, c'est pas celui-là. Oh, bah... Tranquille, Emile. Succès déverrouillé, le collectionneur. Dexterity potion, ça peut être pratique avec ce deck. Alors, ah, il y a le Demon Form. Ah oui, t'étais même large en vrai. Oui, oui. Ah, le Reaper, j'aime bien quand même là dans le. Tu vois les petites AOE qui manquent des fois pour clean les trash mobs. Il s'exhauste.
Ouais. Ah, le démon fort. Ouais, le démon fort. Le démon fort. Ouais. Allez. Surtout que si tu l'évolues avant, c'est un 3 par tour. Ah, Dukes est plutôt sur le Reaper. Ouais, bah il a été lâché. Je me suis laissé influer par Jojo. Influencé, non? Choose from cat instead of tree. Mark of Pain, ça a l'air bien. Mais... parce que bon, two wounds in your draw pile, ça va quoi. C'est ça, le deck est gros. Comme ma bite. Ah! Allez! Ah, le question card est pas mal en vrai aussi, mais le plus 1 d'énergie pour 5 par tour. On va le défoncer l'acte 3, Momo. Go là! Allez, go casser des culs. Alors, on va essayer de faire un peu d'élite et un peu de points d'interrogation. Ici, il y a un bon élite pour finir. Ah, là, il y a du campement. Il y a élite. Oh, il y a plein de points d'interrogation. Faut gagner les bits. En vrai, je sais pas. Hein. Je sais pas. Faut voir. Il y a un wiki, Dukes, sur le jeu. Je suis, voilà, je veux pas trop me spoiler ni rien, donc pour l'instant je regarde pas, mais je voulais juste savoir s'il y a un wiki qui est actif, tu vois, qui dit pas juste de la merde, qui donne des vrais trucs. Je regarderai le wiki, tu vois, quand j'en serai à avoir débloqué tout avec toutes les classes. Ou en vrai, je sais pas, je vais peut-être pas du tout le regarder et attendre. Les early access et tout ça pour. Ou alors je passe. Vu que j'ai mes 165 gold, je peux plus en gagner. Je passe par le marchand assez rapidement. Tu vois, genre je fais ça, je passe par le marchand. Ah, le marchand direct, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je passe là, je vais à l'élite. Quoique, si tu fais des points d'interrogation, avoir de l'argent, ça peut être aussi un point. Ouais. Après, tac. Je continue comme sur un peu de mob. T'as forcément besoin du marchand pour acheter des cartes de fou. Après, on peut avoir un truc pété, hein, mais voilà. On s'entend. Ouais, mais tu vois, il y en a pas mal des points d'interrogation là, mais. Je sais pas, faire que du point d'interrogation, ça fait un peu peur aussi quand même. Bah, c'est aussi éviter pas mal de monstres et du coup grimper jusqu'au boss de fin, quoi. Donc on partirait plutôt sur ce chemin qui fait pas mal de points d'interrogation, soit élite, soit campement. Ensuite on passe par là. Full random. Ah, et on peut passer là. On peut passer ouais, là aussi. Le vampire, c'était pas ouf parce que ça enlève vachement le strike et il en a besoin. Après ça reste voilà. Ouais, enfin pour l'instant mes win conditions c'était les strikes hein, donc perso, ça me ferait un peu chier de les virer. Le bite, tu vois, enfin, un strike c'est 6, un bite c'est 7, et donne 2 HP en plus. Quand il évolue, le bite est plus 3 HP en heal, ça se cycle. Ouais, non, tu peux être à full tout le temps en fait. Ouais. Non, bah, on va passer par là. Désolé Joséphir, c'est vrai qu'on prend notre temps pour bien être sûr de... Je faisais rapidement, c'est lent comme stream. Bah ouais, genre j'ai commencé le jeu tout à l'heure et bon bah voilà, quand... c'est chill stream, donc après bah... J'ai eu le vampire avec un buff poison en fait, je joue... Oh, pas mal. Pas mal du tout. Allez, on va prendre vampire, celui-là. Enfin, le... The Silent, il est dur, hein, putain, j'arrive pas à gagner avec lui. Putain, on commence avec 6, quoi. C'est tellement propre. Bah oui, plan sur la comète, il suffit d'un play de merde et hop, on est en BLS. Le jeu est pas voilà, faut pas faire la merde. Ah non, mais ça c'est Cable, hein, Joséphir, il s'imagine toutes les situations RNG possibles. C'est tellement ça.
Alors, ça va être un barricade bash. Ah là, Momo, ce 6 d'énergie. Ouais, grave. On va bash. On va bash le plus gros. Ouais, ceux-là, c'est ceux qui life. Life ouais, link. Hein. Ouais. Ok. On va faire ça. Du coup, on va essayer de les descendre un peu en même temps. Hein. Et en plus, tu vois, tu peux pas revenir en arrière sur un choix de merde. Oh non mais bon de toute façon écoute peu importe je vois pas comme là c'est chemin d'entrée c'est vraiment pas là on a décidé de jouer comme ça de jouer chill et de papoter en même temps non ça plaît ou ça plaît pas hein, c'est comme ça on va faire le cleave ou le boomerang. Ouais bah non ça fait plus de dégâts de faire ça. On va faire le cleave tranquillou. Ça les descend un peu. Oui je pense que tous les chemins peuvent se faire. Hein. Ouais mais il y a des, mais y a des chemins mieux que d'autres quoi. Et non tu peux pas revenir sur tes pas effectivement. Ah bah oui ça par contre c'est sûr. Alors, oula, lui il veut attaquer. Donc il va y avoir un shockwave. Le spot weakness. Et on part sur deux défenses. Ils m'ont mis déjà quand même bien cher, hein, mine de rien. Ah ouais, ouais, hein, ils tapent à plusieurs, ils sont relous. C'est pour ça que je te dis que moi j'en focus un d'abord, ils sont plus que deux, et après on voit. Ouais, mais bon, le lifelink est relou. Quand j'ai envie, c'est que à la mid-vie. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ah, le Warcry Plus. Par contre, qu'est-ce qu'on va virer ? C'est ça la question. On va voir selon ce qu'on pioche. Ah, oh, j'ai le armement. J'ai le armement, Jojo. J'ai le armement. Bah, le défendre, en fait, on va le virer parce que. Parce qu'on va gagner 6 à la fin du tour avec le bloc. On va pas le jouer, quoi, finalement. Bah, le défendre sera de 8, tu vois. Oui! Mais bon, du coup, je vais pas le jouer. T'as vu tout ce que je peux jouer là dans le tour Non, je vais pas le jouer ce tour-ci, quoi, clairement. Armement plus. Bah, en fait, comme tu joues armement, il y aura pas le recalque. Ah, mais oui, putain, oui, oui, t'as raison. Ça, je l'oublie tout le temps, le. Ah du coup il est parti. Ah oui bah c'est trop tard. Ah ouais non mais clairement. Bon après j'ai vu la main que j'ai bien envie tu vois d'envoyer des attaques sales quoi. Genre le Thunderclap à tout le monde. Qui pète des culs quand même. Je sais pas si t'as vu quand même ce qui venait de se passer. Moi, j'étais dans le chat. Ah non mais il y a pas de souci mais tu verras ce qui s'est passé ça. Il se passe quoi ? Ah bah je pète des coups. Oh c'est limite s'ils vont pas crever. Tu vois en plus comme j'ai du lag de toute façon. Y'a pas. Le Thunderclap est présent. Ah ouais mais ça suffit pas finalement. Ah et la défense qui vient. Bah oui, mais je vais pas avoir défense, besoin de défense vu que je vais le tuer. Tu peux faire un autre flingue, Momo. Oui, mais là je les tue en fait. Avec.
Le Thunderclap, il suffit pas à tuer lui. Donc je pense que ça va être... Ils sont vulnérables. Bah oui, mais ça dit... Ça a marqué 8. Ça ne prend pas en compte. Ah, ok. Autant pour moi. Donc ils sont dead tous les deux. Très bien. Add a card to your deck. Ah, un Perfected Strike. Bah c'est oui, hein. C'est le oui. C'est oui. Zut. Bah c'est vrai que si tu regardes du... Comment dire... Du Slay the Spire pour voir des gens, enfin je sais pas, faut regarder des speedruns quoi si tu veux des trucs rapides. Enfin, après t'es bienvenu ici, mais si ça te plaît pas, y'a pas de soucis quoi. You begin to fall. Je suis falling, Jojo. Non. Tu vois, il me dit you begin to fall. J'ai peur. Tu vas perdre une carte de ton deck, ça se trouve, ça sera une bonne carte. Well, in free fall, you consider Mount Safely with your greatest technique. Ah, ok. Ah. Ça te prend des bonnes cartes ou quoi? Parce que moi, il m'a tiré un strike là tout à l'heure. J'ai dit oui, on enlève un strike. Ah, ouais, non, moi, il m'enlève des cartes sympas. Je pense lose une flamme barrière, ça le fait. Moi, j'enlèverai le Thunderclap. Non, Thunderclap, il m'aide. Hein. T'as vu comment ça pète pas assez. Un flamme barrière, c'est 12 de bloc. Franchement, Non, voilà, y a plus assez de gros mobs pour que le vulnérable plus un. Après, strike. Enfin, je veux dire, à la fin, là, que ce soit land chain, que ce soit land. Pas de dégâts, c'est de la merde. Que ce soit land, channel ou strike, ça va pas changer la suite de l'événement. Allô ? Non. Bon, Marwan, t'en penses quoi, toi ? Moi, c'est Flame Barrier ou Thunderclap ? Dukes. Thunder aussi. Ok. C'est vrai que quand ils font des multi-coups, les mobs... Le flame barrière est quand même sympa. Loose Thunderclap. Adieu. Mais t'en as encore un. Je sais. Ah, c'est les trucs qui explosent à la... Ah non, il n'y en a pas un qui explose là dans ce... Ah si, lui il deal 3 damage back, c'est un peu chiant, lui aussi. Et lui, ok. Faudrait essayer de les buter vite. Alors tu vois, genre là, boomerang contre ça, c'est vraiment pas OP quoi. Non, du tout. On est d'accord. Voilà, moi je fais un Thunderclap pour conserver... Le... Thunderclap, je vais draw et ensuite je vois si. Si le bloodletting est value. Ou s'il faut faire le barricade. Ouais. Bon, je vais. J'essaye de. Pommel strike avant. Bah, je veux pommel strike avant pour piocher une carte et savoir ce que je vais faire. Est-ce que j'essayerais pas de niquer le Repulsor En fait, non, je disais Pommel Strike avant le... Le Thunderclap. Oui, c'est vrai qu'ils étaient déjà vulnérables. Cleave. Putain, je vais prendre la bite, hein, quand même, si je... C'est vraiment pas worth de Sword Boomerang. Je dirais barricade et fin de tour. Ouais.
On gagne 6 avec l'Orical, qu'on se défend de 1. Oui, c'est tranquille. De merde, 4S sur 32, c'est pas lui qu'il faut. Ah bah, je t'ai demandé. Ok. Bah, maintenant qu'il est à 13 HP. Hein, ouais. Ah, par contre, il réflecte de. Il va pas t'attaquer en fait, tu vois. Il va juste t'emmerder à te lancer des petits stuns. Ouais, ouais. Des fois, il attaque. Des fois. Bon, après, j'ai pas spécialement envie qu'il me nique non plus. Ah, bah, ça commence à être pas mal. Les Perfected Strike. 42. 58. Je peux pas finir. Tu vois, genre, il te met des dazed dans ton deck. Il est pas. Oui, en... oui, oui. Ah, tu le tues pas. Non, bah, on va tuer ce salaud. Voilà, comme ça, il arrête de me casser la bite. Non, moi, je dis Perfected Strike, les deux. Oh, bon, c'est déjà fait. Perfected Strike le deuxième. Voilà. Puis on finit ça au prochain tour. Tranquillou. C'est ça. Hey, tu vois qu'il veut attaquer là, ce petit bâtard. Par contre, tu vois, comme ils sont plus vulnérables, on va aller piocher pour voir. T'as encore bien parce que il te suffit d'avoir un armement pour que là, un strike fasse 9. Ouais, mais voilà. Du coup, je tue pas le. Avant cela, bon voilà. Je tue le répulsor du coup. Bah non, il va aller dans mon bloc. Hein. Je tue le petit truc qui casse les couilles. Ah, quoique, ça va... Il va me deal 5, donc je vais devoir encaisser quelques dégâts du truc. Ouais, tu le répulsors. Par contre, s'il se buff... intent to buff. Donc au final, il va me mettre... Les tornes feront 7, mais les tornes... Ouais. Enfin, elles vont sur le bloc, donc c'est gérable, quoi. Oui, c'est vrai que du coup, ouais, je garde mon bloc, clairement. Clairement, c'est le play. Oh, le Perfected Strike dans ta gueule. On va mettre le défendre devant, et puis hop. Péter des culs. J'ai une Swift Potion, faudra y penser. J'ai la Dexterity et la Swift Potion. La Swift Potion est super. Ah, j'ai... Merde. Si on draw. Ah, clairement. le Perfected Strike, quatrième du nom, me semble une bonne idée. Ah. Après, des gros dégâts. un Cliff Plus, c'est pas dégueu, mais... Perfected. Ouais, ouais. Il ouais, y a même l'armement en vrai qui est pas si. Ouais, mais j'en ai déjà deux. Ça, ça, pour le troll. Honnêtement, ça tourne bien comme ça. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Mais bon, armement, un troisième. Quand t'as un gros deck, que t'améliores à. Tu sais, t'arrives à un campement, t'es déjà full HP, tu ne sais pas quoi améliorer. Ah, bah j'ai un troisième armement. Alors. A random card ignorant cause 0 force. Ah, c'est pas ouf. Unplayable innate. Putain. Madness, c'est pas ouf. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Bah ouais, ouais. Mais c'est vraiment un événement de merde, quoi, que je me suis tapé, on est d'accord. Hein. Oui, je l'ai eu aussi tout à l'heure. Et j'ai pris le Madness en pensant que ça me donnait une random card. Ah oui, je vois. Ah non, non c'est du caca. J'avais lu que la première truc, c'est quoi Ouais, c'est de la merde, Bryce, ça te heal, c'est bon, allez go. Et puis on va peut-être réussir à la virer. Oula, non, oui. Oula. Il faudra un événement pour pouvoir la virer.
Ah oui, non, mais j'avais dit que j'allais peut-être vers le marchand qui est là. On va voir. Madness cool shit. Franchement. Un perfect strike qui coûte 0 pour toute la game, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est pour toutes les games, c'était pas pour juste le combat? Non, c'est pour toute la durée de cette game. Oui. En amélioré. Ah, le marchand. Le marchand, qu'est-ce qu'il nous propose? Ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. J'ai jamais eu de feu de camp dans un random, tu vois. Le dual wind est sympa. Oh, dual wind. Quoique c'est peut-être pas ça. Never you know. Ah si, dual wind, tout pété. Bah après, tu vois, virer la carte innate. Ah, non, Momo, tu améliores. Enfin, tu rajoutes des strikes dans ton deck du coup. Si tu l'améliores, c'est deux fois la carte. Donc tu ajoutes deux strikes dans ton deck à chaque fois que tu l'utilises. Ouais, moi je suis d'accord avec Dukes. Hein. Parce qu'elle est innate, donc elle me fait perdre une carte à chaque début de tour que je joue. C'est vraiment. Je te promets que ça va trop impacter. Hein. Bah alors prends la. Bah avec ce qui me reste, je pourrais prendre. Comment ? Clash. Non, Clash, ça va pas dans mon deck. Bah, Twin Strike et enlève la curse alors. Ou alors tu te prends le 144 là, tu te prends le super. Mais je pourrais pas remove. Super artefact. Mais je pourrais. Enfin, il faut la remove la malédiction. Oui, mais l'artefact, Momo, est-ce que regarde l'artefact. Oui, je l'ai vu. Il dit le 3 damage back, j'ai compris. Désolé, mais ça suffit pas à m'exciter. Avec le bouclier, c'est ça. Il prend 9 à chaque fois. Quand le mec de fin t'attaque 6 fois, oui, c'est pas dégueu. J'ai compris. Mais si je perds une carte dans ma main de départ, à chaque fois, je vais avoir des starts difficiles. Ça... Moi, je me dis que c'est une carte sur le premier tour. Je m'en bats les couilles, quoi. Je m'en bats clairement les couilles. Parce qu'après, elle fait plus chier la carte. 100, c'est cher. Moi, je non, elle reste dans le deck. Mais après, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est moi. J'aurais peut-être même pris Dual Wind Twin Strike. Je sais pas trop. Non, mais je vais la remove, la malédiction. Ça. Je sens vraiment que je vais tilt d'avoir des mains de départ de merde. Confirme. Et on va peut-être prendre un petit Twin Strike. Après, y'a quoi en potion? Petite potion AE peut-être m'aider à pas me faire trop chier. Bof, je suis pas fan. Le Twin Strike, carrément, c'est pas très cher quoi. Ouais. Bon, après, c'est que c'est pas une carte de ouf malade quoi, tu vois. Bah ça rajoute un strike en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un strike. Allez, vendu. Vendu. Et puis on s'en va. Si je pars sur de l'élite... On part sur de l'élite. Est-ce que t'es là pour Nyeza ou t'es là pour faire le challenge, Je suis là. Je suis là pour finir l'acte 3 de base. Ah. Après, qu'est-ce que si je passe là, qu'est-ce que j'upgrade dans mon deck quoi. Bah rien. C'est ça. Un barricade à la limite. Ouais. Un offering, un offering, c'est draw 5. Les perfected strike, hein, parce que mine de rien, quand je les ai pas avec, quand j'ai pas l'armement, tu vois, c'est un peu compliqué les perfected strike.
D'où le délire d'avoir plusieurs armes. Oui, bah on en a deux, c'est déjà pas mal. Mais du coup, peut-être en upgrade 1, c'est pas mal. Merde, ça c'est... Alors fais voir par quoi ça me fait passer. Tac, tac, tac. Parce que là, j'en ai un autre ici, un élite, tu vois. C'est vrai. Que j'aurais sûrement envie d'affronter, parce que repasser au marchand alors que j'ai plus de sous... Ouais. Ça me servira à rien. Ok, je te suis sur ce call, et on upgrade quoi, l'offering, pour avoir 5 cartes? J'aurais dit Perfected Strike, mais j'aime bien l'offering. C'est vrai que l'offering, on l'utilise tout le temps avant le... Offering. Et comme il s'exhauste... Ça fait un truc cool, effectivement. Offering. Putain, il y a double feu de camp, hein. Ouais. Bon, on va voir ce qu'ils... Oh putain, mais voilà. Pour 100, tu n'avais pas besoin de l'enlever parce que Toke, c'est... Enlève une carte de ton deck. Toke. Ah, c'était avec... Ah ouais, putain, c'est... C'est quoi qui me fait ça? Un item. Oui, mais justement, je cherche lequel. Merde. Rest Sight. Ah ouais. Là, c'est bien vu, Jojo, c'est... Tu vois... Fallait y penser. Ah, en même temps, on se rappelait de tous les... J'enlève jamais une carte avec en payant 100, quoi, ou même 75 au marchand, je m'en bats les couilles de cette option. Ça coûte beaucoup. Oui, non, mais là, ça, c'est ce que tu penses, mais l'argument n'est pas de que tu t'en bats les couilles, l'argument est que là, on aurait pu le faire gratuitement. J'ai eu plein de points, et donc voilà. C'est juste ça. Oh, il y a tellement de feux de camp qui suivent, OMG. Alors... Perfected Strike, qui tue quelqu'un. Déjà. Donc je pense qu'on va... On va le buter, le gros, là. Et Flame Barrière. Du coup, le double tap sert un peu à rien, mais... Ou alors... 18 et 18, 36. Ça suffira pas. Tu peux aussi draw 3 cartes parce que tu sais pas trop quoi faire. Ouais, mais j'aurais pas le mana. Je reviens. Ouais. Non, si je draw, j'aurais pas le mana pour faire des bons délires. Donc ça va être. Perfected Strike, Flame Barrière. Ouais. C'était quel boss? Ah, pardon, pour CNJ, j'ai pas vu. C'est vrai que tu marques un bon point d'Ux pour l'histoire de barricade. Ah, le offering. Waouh. Quatre, six, huit. On m'a dit pas plus de... The card to put top of your draw pile. Ah oui, c'est vrai ça. Attends, je suis en train de faire. Je suis en train de faire un tour de port, Jojo. Ok. Fais ton armement là, ça va chier. Fais gaffe, tu peux pas avoir plus de 10 cartes en main. Oui, bah c'est. J'ai bien fait attention et tout va bien. Double tap. Bon, en vérité... Unawakened, ouais, il est sympa. Ah, dead. Et puis... Tac. Oh,
spotted. Merde, j'aurais dû le dash. De toute façon, c'est bon. Pourquoi il a pas... J'ai fait du caca. Ah, du coup, lui, il reset. J'ai fait du caca. Je pouvais le tuer. Juste avec le spotted weakness, ouais, clairement. Ouais, non, mais bon, bah, je le dis, hein, j'ai fait du caca. C'est dommage. Ah, et du coup, il se remet en vie. Ah, c'est cool. Pommel Strike ou Shockwave? Pommel Strike ou Shockwave? C'est quand même pas mal, Shockwave. Comment? Ah, pardon. Non, mais je suis en train de... Shockwave. Shockwave tous les jours. Parce que tu peux mettre du weak et tout, non, c'est bien. Mm. Tu peux stacker le weak. Ce chemin est pas dégueu non plus, en fait. De se refaire un petit mob, passer un coffre, un truc, hop, élite. T'as suffisamment de cartes, sauf que Shockwave s'exhauste, donc en avoir une deuxième, c'est bien. Non mais c'est passé ça, j'ai choisi Shockwave. Non mais je réponds à Zuti. Ah. Mais de toute façon, il dit t'as suffisamment de cartes, c'était pas forcément pour ça. En gros, lui, il aurait skippé peut-être. Il aurait skippé quoi? Et tu peux skipper la réponse. Ah oui, oui, d'accord, ok, autant pour moi. J'en veux pas de tes cartes. Attends, ici ça fait un campement. Un coffre, ça. Ça. Non, je vais aller vers cette élite là. Avec un campement ici. Je vais faire l'élite quand même ici. Mais ouais, c'est bizarre, je trouve qu'on a beaucoup de retard là sur le... Je vais juste checker dans OBS si j'ai pas un... Normalement j'ai rien changé, donc il n'y a pas de raison. Paramètres. Audio, vidéo, avancé. Non, c'est pas activé. Non. C'est non. C'est non. Ok. Bon allez, avançons. Ouais, bah on va passer, je pense, ce mob, coffre, les points d'interrogation, élite, point d'interrogation, et quand. Sinon c'est ça. Ouais, non, trop de... Non, power seat. On va passer là. Ouais, 10-15 secondes. Ouais. Alors, on va le Thunderclap, Perfected Strike. J'aimerais bien barricade en fait. Saloperie, ça fait mal le requin de saloperie. Ouais, bah du coup je vais essayer de lancer mon barricade dès le début de la game. Est-ce que je prends ma potion de dextérité? Si tu dis qu'il fait mal. Mais à ça on rajoute 10-15 stacks de vrai lag. Clairement. Tu disais donc, excuse-moi. J'hésite à prendre ma potion de dextérité si tu dis qu'il fait mal. Non. Garde-la pour le boss.
Mais il fait mal quand même. J'aime bien le... Enfin, tu vas le défoncer rapidement en vrai, donc bah les couilles. Ah oui, en plus il me... Il faut le Thunderclap. Ah, il aurait fallu le Thunderclap, c'est dommage, je sais pas comment tu aurais pu te débrouiller, mais... Bah non, mais justement, je pouvais pas air armement... Pas plastique, quoi. Et donc là, ça va être long, en vrai. Ok. Alors, il planifie de me faire du mal... Spotted weakness. Oui, oui, t'inquiète. De toute façon, je vide ma main, hein, a priori. Est-ce que j'attaque ou je mets un peu de défense finalement? Non, d'abord le Spotted Weakness avant. Pourquoi? Bah parce que tu gagnes du pouvoir. Ah, il a raison. Il a raison. Bon, ça a pas changé beaucoup. Alors, je te le dis, jamais tu l'utilises. Ouais, Dux. Je l'attaque, hein, je tanque un coup. Je mettrai du bloc. Ouais, ça me fait gagner que 6. Bon, oh, ouais, de toute façon, il faut que j'aille... Ça vaut pas le coup de taper. Ouais, ouais. Ah, mais on a viré un Thunderclap du deck. Mais bon, on a un autre Shockwave, je sais plus quoi. Il y a le Bash, il y a les Weakness, enfin les Waves, là, c'est... Oula, on va pouvoir bien piocher avec tout ça. Il y a le Demon Form. Oh, Finest into Warcry, c'est tellement beau, putain. Je garderai le double tap pour après s'il n'y a pas d'armement. Ouais, ouais, je garde le double tap pour après. Je mets Demon Form et Flame Brasier. Ouais, ça me semblait être à peu près le play. Après, je peux même aller voir piocher plus, tu vois. Savoir si ça change pas mon play. Tu peux aller voir quoi? Ah oui, mais merde, ça va me faire piocher le... Non, tu peux pas. T'es en train de faire un choix, tu peux pas. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est que j'hésite à faire le Blood Letting. Ah, non. Mais vu que ça va me faire niquer mon... C'est dommage de pas prendre le barricade, enfin le... T'as que un défense. De quoi? Tu vas pas prendre de recalque. Ah, oui, non, tu oui. Tu vas faire flame barrière, tout va bien. On est serein. Ah, j'ai le armement. Avec un pommel strike en plus pour le double tap là. Allez. J'aurais peut-être pu piocher avant pour aller voir. Oh, le perfected strike. Ah, ça me fait chier, ça donne tellement envie de faire le perfected strike plus x2 là. Ah oui, ça pioche. Et oui, il a raison, Diox. Merci, Diox. Ouais, ouais. Oh, draw 3 cards, Momo. Ah non, bah c'est trop tard. Mais pourquoi tu voulais que je draw? J'ai pas de mana. Il y avait peut-être moyen d'avoir le truc qui te donne plus de. Offering. Ouais. Ouais. Bah, tu peux encore? Non mais c'est pas c'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre les cartes by the way. Regarde ton deck ce que t'as. Oui, mais je te justement je suis dans mon deck. Mais y'a ouais. Une relique qui dit. Non non mais non je vais pas partir en mode spéculation là, comme t'aimes bien faire. Ouais mais RN Jojo il me casse les couilles. Ah, pas. Offering ça fait piocher mon gars. Et les draws Non non mais il parle d'un autre truc avant. C'est là il avait raison, c'est le machin letting, ça fait pas piocher, c'est juste un Axel mana. Ouais mais ça te donnait juste les Oui non mais c'était pas. C'est dans un autre contexte. Il te parlait pas à toi
Et il a tout à fait raison. De toute façon, on les aurait pas pioché. Là, par contre, j'irais peut-être bien piocher, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas ouf. Il reste un armement ou pas dans le deck? Non. Non, mais Flame Breath. Ah oui! Et puis. Pas le bash. Ouais, mais est-ce que je bash ou Shockwave? Parce que mine de rien, il va récupérer de l'attaque après. Non, non, bah ouais, Shockwave du coup, pardon, excuse-moi. Et puis je défends. Hein. Oui? Paraît pas mal. Là, j'aurais peut-être dû augmenter ma dextérité pour ce combat quand même. Non, non. Ça va le faire. Regarde, tu prends que 1 là. Ah, le offering. Le offering. Bon, il faut vraiment que je chope un truc. Ouais, il est vulnérable. Double tap avec le perfected strike. 63. Sachant que si tu fais offering, ça va recycle. Non mais je regarde si j'ai pas l'étal. Parce que là je vais mettre 63 x 2. Donc 126. Et le cleave ça fera 25 x 2. Donc 50. 126, 50, 100. Ah putain, j'ai pas l'étal. Close. Bon, on va essayer d'aller le chercher. Voilà. Ah, c'est vrai que t'as plus d'armure là. Non mais c'est bon, là j'ai des tables. Ah bah oui, avec offering, oui, pas de souci, y a pas de souci. Ah, spot weakness. Spot weakness. Perfected strike. Ah, j'adore la finesse, putain. C'est bon call. Une petite potion d'énergie, ça peut être pratique. Ah, Thunderclap. Moi, je préfère récupérer un Thunderclap qu'on a dû virer tout à l'heure. Ouais, clairement. Parce que là, tu vois, il m'a manqué dans ce combat d'avoir un moment où il était pas vulnérable et c'était un peu désagréable. Ah, la petite énergie de popo, ouais, j'y pense. Ouais, ouais, Thunderclap, toujours. Red Skull. While your HP is at or below 50%, you have 3 additional strengths. Ok, ça peut être pas mal pour le boss. Red Skull, ouais, c'est nickel. Ok, alors, on avait dit événement. Ah fuck, j'affronte des mobs. Oh, c'est les mobs relous en plus là. Qui explose ? Ah putain, relou. Pas de regret. Il y a un feu de camp derrière. Ouais, ouais. Une carte ou un autre drap. Bah après là, j'ai un armement. Est-ce que j'ai pas. Bah tu joues de toute façon l'armement. Ouais, ouais, mais je réfléchis avec mes potions, etc. Si j'ai pas moyen de faire un truc. Encore plus solide. Devinez qui va se faire un burger. Mais je pense que c'est Marwan. On me dit dans l'oreillette que c'est Marwan. Parce qu'il lui en reste un. Et le barricade coûtera moins. Ouais, ah ouais. Il va être joué d'ailleurs. Ah et ouais, je vais. Oh, y a un retour. Je vais pas. Ouais. Je vais pas double tap plus. Ah, pourtant le Thunderclap x2, du coup le vulnérable. C'est ouais, mais je prends. Enfin. Se défendre un peu, ce serait pas si mal. Un seul que 6 en fait. Ce qui est sûr, c'est que je barricade. Et j'ai pas envie d'utiliser une potion d'énergie juste pour ça, quoi. Parce que là, tu vois, je fais soit Thunderclap défendre plus, soit double tap Thunderclap. Attends, ils prennent 7 fois 7, ils prennent 10, ils prennent 20 tous.
Bah oui, mais ça... Ça tue personne et je prends super gras. Hein. Ok. Fais des fans d'abord alors. Ah non, non, pas de... Non. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait... Tout est passé, Jojo. En faire deux, tu m'en livres. Hein. C'est non. J'ai pas un tour de ouf. De toute façon, je vais tuer celui qui compte exploser et me casser les couilles. Ah ouais, mais je le tue même pas comme ça quoi. Oh, j'ai un start de merde, ça va être la chiasse hein. Il y a un feu de camp derrière. Bah oui, enfin, il faut le passer. C'est ça que je veux dire. Ah, tranquille. Ouais. Le Thunderclap aurait fait aussi 20 à tous les gars. Oui, d'accord, mais là je serais pas à 49, je serais à 30 quelque chose. Je serais à 40 quoi. Non, je vais la prendre cette potion de dextérité et me défendre bien comme il faut. T'as fait 16? Ouais. Ouais, t'as vu le tour de merde que je viens d'avoir quoi. J'avais aucune, aucun buff, aucun truc dans les cartes. Et là, ils vont. Alors, celui du fond va se. Vulnerable Wars of. Ah, j'ai le Shockwave. Ça, c'est bon ça. Après mes Perfected Strike, il dit le combien? Parce que là je peux en tuer deux. Et j'ai pas besoin du Spot Weakness actuellement. 32. Donc le celui qui a 24 sur 34, tu peux. Non mais le... Laisse-moi faire. Alors, Shockwave. Tac. T'as une potion d'énergie aussi. C'est va être utilisé. Ils mettent un peu gras. Hop. Et on est bon. Oh, je pense que c'est bon. Bon, arrête pas le stream, je... Non, bah de toute façon, ouais, non, j'arrête pas. Putain, j'ai encore envie de pisser, quoi. Ouch. Ça picote un peu, quand même. Ouais, on est d'accord. On va... Heureusement qu'il y a... il y a le campement, quoi. Ouais. Oh, j'ai pioché tous les wounds. Ah, c'est abusé. Bon, il est presque mort, ceci dit, lui. Ah non, il a... Ah bah oui, parce qu'il avait... Ok. C'est très bien. Il est mort. Ouais. Bon, bah ça passe tout ça. Toi, tu vas prendre ton Perfected Strike dans la gueule. X3. Pouf. Ok, no invulnerable, c'est tout. Deal 14 damage, apply to weak. 78. Close line, ça me semble pas mal, hein. Je deal 14 et je play 3 weak. C'est vrai que c'est bien. Sachant qu'à côté j'ai de la merde. Oh, j'ai le boomerang qui est pas... Non, non, le close line est bien. Ouais. Justement, je te disais que t'avais pas assez de diversité au niveau du weak. Ouais, ouais, on est d'accord. J'ai que la shockwave. Oui.
Bon, le reste, hein, clairement. Et même avec ça, je suis qu'à 59. Ah, j'ai un body slam. Ceci dit, j'ai pas tant de... Ah, des fois, on arrive à se mettre bien. Hein. Par contre, j'ai un disarm qui peut être bien utile, quand même. Non, franchement, deal damage equal to recurrent block... Il marche pas de ouf, là, dans mon deck, je trouve. C'est vrai. Donc, c'est Shrug It Off ou Disarm. Le Disarm peut être bien pour un boss, un machin, ouais. Bah, le boss de fin, ouais. On est d'accord. Sachant que j'ai un élite, là, sur la fucking route. Hein. En plus. Bon, allez, go. Et en... il est en amélioré, donc c'est bien que tu peux faire des... Ah, putain, c'est des petits bâtards. Je vais pisser, par contre, avant, j'en peux plus. Ça se fait. Alors le tour. Oh, le tour est tout annoncé. De folie même. Armement, barricade, perfected strike sur celui du fond. Clairement. Et on prend deux. Pour ne pas prendre de dégâts, on pourrait prendre la potion, mais what the fuck, à quoi bon? Et du coup, je reviens aussi. On verra s'il a pris les bonnes décisions. Allez, à toutes. Ah bah il y a un armement en main de départ. Je peux en tuer deux là. Avec l'armement. T'es parti Jojo? C'est oui. Ouais bah on va tuer deux trucs hein. Ouais, j'aurais... Ouais. Ouais, t'as raison, Diox. Encore une fois. J'aurais dû tuer celui d'armure pour pas qu'il se buffe son armure et j'aurais pu encaisser les dégâts de... Alors, ça pète des culs. De l'autre. Ça pète des culs, ça pète des culs. Alors, 14, Playtrumix. Ah ouais, il est pas... Alors, selon le résultat que j'avais estimé, j'aurais pris 2 dégâts sur le premier tour. Est-ce que t'as pris 2 dégâts? J'ai pris... Je sais, j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai rien pris quasiment, vu que j'ai tué... Armement, barricade, et Perfected Strike, le seuil du fond. Ah ouais, non, moi j'ai buté les deux. Donc j'ai rien pris de particulier... oui, bon, bah, de toute façon, on va tout jouer. Hein. Effectivement, il n'y a pas eu de barricade. Non, bah, la barricade était pas très value au final. Ok, donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut tuer? Ah, ils sont donc revenus à la vie. Oui, bah oui.
Ça, c'est pas le choix. Attends, si je fais back, bash plus strike plus sur lui, ça lui dit 8, il devient vulnérable. Et 9, en sachant qu'il est vulnérable, ça fait combien? C'est combien vulnérable? C'est 50% en plus. Ça fait 9 plus 4, 13. 1,5 rend inférieur. Ok, donc ça fait 14. Donc ça le tuerait pas. Non, ça ferait 13. J'ai dit quoi, 14? 8 plus 13. Ouais, mais là c'est dit 9, je suis au strike plus. Oui, oui. Bah 9 plus 4, ça fait 13. Ah oui, c'est t'as dit 13, pardon. C'est la fatigue. J'aime bien en plus quand je dis bah ouais, 8 plus 4, ça fait 13. Oui, c'est ça. Ouais. On est bien d'accord. 9 plus 4. Va falloir qu'on arrête. Hein. Bon, celui qui veut me mettre 8 x 2, c'est compliqué, donc je le tue. Donc, on a dit... Ça le tuerait pas, donc on va aller s'attaquer au gros là-bas. On va voir un peu ce qu'il fait. Le 6... On va peut-être le finir avec le... la carte qui coûte 0 et prendre que... Ah, non, elle me fait pas piocher, Jojo. Il y a le recalque. Elle me fait pas piocher, Jojo, le Bloodletting. Oui, mais t'aurais pu avoir un de plus pour le tuer. Je peux pas le tuer. Deal 6. Ça va deal 9, ça le tue pas. Sur celui qui était pas au milieu. Ah oui. Ouais, mais celui du milieu, après, il se buff, comme disait Duke tout à l'heure, il se buff en shield et du coup, bah en fait, il tempo trop pour la, le revive des autres, tu vois. Et ça a été plutôt casse-couille au final, donc... Je vois où vous voulez en venir. Mais là, il y a aussi le recal qui, du coup, en fait, tu vas prendre que 1, donc ça va. Alors, on va finesse. À mon avis, avec armement, Searing Blow. Tac. Alors le Searing Blow, ça ferait combien? 24 x 2. 48, donc lui il meurt carrément du Searing Blow. Lui il meurt pas du tout. Du coup on va faire double tap. Et ça c'est le mec 15 et 15, 30. Ah bah c'est parfait ça. Donc double tap, pommel trike sur lui, dead, et on finit, lui. Nickel! Je vous baise. Ah, le Reaper! Dukes, tu penses que c'est toujours d'actualité le Reaper ou peut-être plus trop maintenant? Hunger. Bah ouais, Reaper ça heal, on est d'accord. Surtout avec les buffs qu'on a et tout. Parce qu'elle peut s'upgrade pour 10 de plus, je suppose. Encore une fois, c'est bien quand on peut augmenter son pouvoir et donc le 4, augmenter le 4. Oui. Bah, on peut augmenter et le 4. Un boss solo. Ah ouais, on a eu le 4. Bof, hein. Bah, le boss, il spawn des minions et tout, en général. Et après, je veux dire, à côté de ça, tu dis, sur un boss... Pas le boss de fin. D'accord, ça je veux bien croire. Mais tu dis, ah ouais, sur un boss 4, j'ai eu le 4, oh bah c'est nul.
Mais au final, avec Hunger Plus, bah, je vais deal 6, là je vais deal 4, et heal 4, c'est... C'est des dégâts qui coûtent 0, c'est pété. Et en plus, tu les ajoutes dans ton deck, tout ça. Ouais, ouais. Après, j'ai pas envie qu'ils polluent. À la fin, tu as 3 boss, un solo, un double et un avec 2 minions. Non, non, mais c'est le Reaper. Bon, Elite. On va peut-être devoir utiliser cette fameuse potion de dextérité. C'est vrai que s'il tombe sur celui avec les 3 minions, mais bon. 33% contre 66. Bon. Pour moi, le choix est vite fait. Alors. Je sais qu'il va cycle au moins une fois contre. Sûr. Ce serait marrant qu'il tombe sur la forme évoluée de ces deux-là. Je peux pas faire Guzzle Slime plus Thunderclap plus Barricade. Et ça, c'est un peu dommage. Heureux outil. Heureux outil. Bien avancé. On a pas quelques cases. Je dirais à 4 cases. Ouais. 4 cases du boss. Et on se fait des élites. Je pense que je suis un peu obligé. Ouais, mais je suis un peu obligé de le rendre weak lui aussi. Parce qu'il commence déjà à faire mal, quoi, dans l'idée. Ça fait pas de barricade. Ouais. Mais bon, elle risque de faire plaisir. Et tu fais non. Pas la carte des fans non plus parce que tu as le recalque. Est-ce que j'ai le. Oui, oui, je fais pas la carte des fans. De... Mais ça veut dire que je ferai un tour Thunderclap. Close line sur lui et strike sur lui aussi. Sans jouer ma barricade. Et at the end of the turn, il gagne 3 strengths. Et c'est ça qui est horrible. Il faut les défoncer rapidement. Ouais, ouais. Bah, du coup, on va faire le play comme on a dit. Le Thunderclap est obligatoire. Je vais prendre ma potion de dextérité. Ah non, c'est by cards. Ouais, bah du coup, je vais faire le gain 7 au lieu du gain 6. Hein. Ça sera toujours 7 prix. Oh, ils vont être relous. Ouais, ah, j'ai le. Ouais, enfin, si c'est pour mourir. Ah, il burn, putain. Ah, oui. Bon, bah là, c'est. Ça va être de toute façon, j'ai pas trop le choix. Thunderclap obligatoire. Y a pas trop de choix, en vrai. Oui. Le tour est joué d'avance quoi. Juste tu fais pas le defend. Bah si, il me donne plus que. Ah oui. J'ai dextérité. Oui, je fais spot weakness, voir combien ils prennent. Ah, c'est 10 tools. Il prend 22. Je vais peut-être essayer d'en buter un quand même.
Bah, spot weakness avant tout, dans tous les cas. Ouais, ouais. Bah, enfin, dans tous les cas. Bah, si tu dois le faire, fais-le au début. Oui, si je dois le faire, je le fais au début. On est d'accord. Mais est-ce que je ferais pas. Tu te mets à 7 de pouvoir dans Momo, fais-le. Mais faut réfléchir au play en entier avant de dire ah non, fais-le. Puis à la fin, se retrouver avec un truc. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que tu vois, il y a soit ça, soit Shockwave. Searing Blow sur lui. Et le cleave général. Qui tue. Mais alors, sachant que lui. Vulnérable. Moi, je ferais Spot Weakness, Searing Blow sur celui qui a 32, plus Cleave. Ah ouais, non, Spot Weakness, Searing Blow sur celui qui a 32, Flame Barrière, et on est bien. Oui, c'est vrai que ça va le tuer, le Searing Blow avec Spot Weakness. Non, ça va le tuer ou pas? Bah, plus 4 de force, donc le Searing Blow actuel fait combien? 15. Et 22 avec le buff. 19 plus du coup 8, ça passe pas. Ça passe pas, Jojo. Avec le cleave ? Et bah, du coup, si je fais le cleave, je peux pas jouer le flame barrière. Mm. Donc, non, je reste sur le. C'est bien pour ça que je voulais réfléchir à tout avant, c'est ça. Attends, 19, c'est un ça, ajoute... ça ajoute 9, Momo, 19. Non, ça ajoute 8. Si, ça non, 9. Ça ajoute 9, mais ça suffisait pas. 19 et 9. 28. Il était à 32. Ah merde. Bah, il serait mort du flame. Ouais, du il m'aurait tapé en même temps, super. C'est non. C'est non. Ah putain, t'as toujours et pas. Et ben voilà, là il prend 52. Nickel. Oui, c'est pour ça, Diox, que je voulais réfléchir avant, parce que j'avais pas le mana pour... The next two chests you open contain two relics. Bah, c'est dommage, y'a plus de chest. Ouais. Ah, un perfect... Ouais, il a bien joué, il a fait le bon play. Ouais, j'ai eu l'étal au tour d'après, du coup, je pense que c'était vraiment l'optile. Perfected Strike, dernier du nom. J'avais quoi à côté? Bah, de la merde. Ouais, de la merde, ouais. Bon, mais me faites pas un truc pute là sur le Unknown. Parce qu'on va galérer le boss, hein. Mais non, y'a un feu de camp juste avant. Oh, offer 42 gold. Oh, lose all gold, gain a relic. Parfait pour la fin. Parfait même, ouais. Bah, je viens de dire parfait. At the start of each combat, apply 1 week to all enemies. Oh, bah, ça c'est bien. Très bien. Quand tu mets le vulnérable, ça met aussi le week. Non, c'est au début du combat, je mets 1 week. Ah, ouais, parce que du coup, il y a un truc qui dit quand tu. Ah ouais, ça c'est week. Sympa. Bon, bah on va rester. Et tu vois, je reviens en tout cas sur l'histoire de tout à l'heure. Je suis vraiment d'accord avec Dukes qu'on aurait dû upgrade le barricade plutôt que l'offering parce que. Là, je l'ai tout le temps en main de départ et je peux pas toujours le jouer à cause de son coup, quoi. Et ah, là, parce que t'avais aussi choisi le fait qu'elle soit en main de départ tout le temps. Oui, c'était une relique. Bah, j'avais pas eu le choix, en vérité, mais... Ouais, mais j'y avais pas pensé à ça. Mais... Effectivement. Mais encore une alors, fois... le Whirlwind peut être pas mal avec tous les buffs mana que j'ai. Whirlwind, c'est l'OP. C'est OP, j'avais surkiffé la carte. Bah oui, avec tous les buffs mana que j'ai. Après le headbutt reste une option safe quoi, pour aller chercher. Ouais, peut être vraiment nickel. Limite, je prendrais peut-être le headbutt. Ouais, parce que mon burst il est déjà dans les perfect strike. Et du coup, le headbutt peut me permettre de les chercher quoi. Mais le 15 de bloc peut être vraiment bien aussi pour tanker une grosse attaque et survivre un critique, tu vois. Ouais, mais à Toons, tu as un, gagne 15 blocs. Non, clairement, pour moi, je veux prendre une des deux cartes qui me... Qui seal the win, quoi. Et si tu arrives à créer... Ah ouais, non, tu arriveras pas à créer.
Putain, j'ai rest là, j'ai rien regagné avec mon rest. Pas encore, pas encore. Pourquoi pas encore? Bah. Passe. Ah non, si. Ouais, j'ai l'impression d'avoir gagné que dalle. Bah, pas grand chose en tout cas. Je suis dans la merde. Putain, on va perdre sur le boss. Eh non. Bon. C'est vrai que d'avoir eu la dexté sur le boss final, c'est. Il y a eu le truc qui va me dire putain, tu vois, si j'avais pas Reaper. Bah, je l'ai le healing machin. T'as pris Reaper? Oui. Bon, c'est barricade Perfect Strike. Le boss. Ah, ouais, attends, dis-moi le détail du boss alors, c'est quoi? Il revient à la vie. Ouais, c'est marqué. Détails, non, mais pas les détails. Alors. Rip qui me dit. Merci. Non, il faut que whenever you play a power gains 2 strength. Ah, ah merde. Ouais, mais tu vas jouer une fois le power. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, il aura 2 strength pour la vie, quoi. Tu peux tuer les minions, ils ne reviendront pas. Donc, d'accord. Tu en un du minion. Attends, je regarde juste combien ça 51 donc faut. Ah merde, tu les deux. Tu les deux minions, Momo. T'as l'oricalque. Et tu headbutt le perfect strike super. Ouais. Ok. Ah, il y en a un qui meurt pas. Mais non, regarde. Lui, il meurt 72. Lui, 51. Il meurt, hein. Ok, donc tu feras le headbutt sur le boss, ok. Bon, j'ai pas de popo, j'ai rien. Il se régène. Whenever you play a power, il y a une tout ça. Ok, c'est le même que tout à l'heure. Il s'est mis à Azon. Je disais, Reaper va servir à rien. Maintenant qu'ils sont morts. Oh, j'ai le double. Oui, maintenant Reaper va servir à rien. Enfin, rien, bah si, voilà quoi, il fera des dégâts, il me huilera. Il sera très... Ah, le Reaper est là. Oh, j'ai un bon. J'ai un bon truc. Le tap Reaper, effectivement, c'était pas mal. Il a pris cher. T'as fait double tap, thunderclap, perfect extra, et j'espère. Exactement. Et il a pris cher. Avec le Reaper, tu te serais healé. Ah, j'ai le armement. Oui, mais j'avais pas le mana pour. Attends, là, fallait mettre le gros coup de burst. Non, t'aurais pas dû. T'aurais pas dû le recalque. Ah oui, j'ai perdu un de défense. Bah, si je meurs à un PV près, on pourra me dire que je suis un sale con. Bon, bah, offering, hein. Oh, ça fait tellement de cartes. 2, 4, 6, 8, 9. Eh ben, je crois que je vais... Gain 2. Moi, je pense qu'il va falloir jouer le flame barrière parce qu'il va prendre des masses. Mais oui, oui, t'inquiète pas. C'est pour ça que je vais gagner du mana. Là, je vais draw encore des cartes. Donc tu te mets la bite, ok. Je me mets la bite. N'oublie pas le spot, nous dit Duke. N'oublie pas le spot. Spot weakness. Oui, oui, t'inquiète pas, il était bien prévu dans ma tête. Il a bien fait ses draws nickel pour bien évoluer toutes les cartes. Ouais. Bien. Il y a un double tap qui va se transformer en super tap de ouf. Mais du coup... Il va falloir j'hésite à mettre le strike. Attends, j'ai 9. Donc ce qui va se passer, ça va être armement. Mais la wound, tu me laisses que faire mes comptes, s'il te plaît. 1, ça se fera 2 de mana. Ok. Ça fera 3. Pourquoi il y a Windows qui fait chier? 3. Ça fera 4. Ça
6, 8. Et on mettra sûrement un de défense. Ou le strike qui peut peut-être même finir la. Non, on va mettre le strike sur le top. Ah, mais de toute façon, je vais le piocher. Donc, anyway. Confirme. Donc là, c'est armement. Tac. Double tap plus. Attention quand tu vas piocher de bien. Spot weakness. Non, j'aurais quand même mis la wand pour bien gérer avec l'armement et upgrade le strike. Oui, je vois ce que tu veux dire, ok, tu as raison. Je t'écoutais plus en fait. Méchant. Ouais. Mais non, mais bon. Bah non. Ok. Oh, le perfect tech strike x2. Bah voilà. Dead ? C'est qui le papa ? Ah non, c'est pas fini. Ok, c'est pas fini. J'ai peur, Jojo. Ah. On m'a pas dit, moi, ce qu'il faisait quand il se réveillait. Et je peux pas le rendre weak quand même. J'ai peur. T'as pas la barricade pour te. Il se remet à 300 HP, d'accord. C'est très bien. Comment, Jojo ? Et là, tu n'as pas la barricade pour te mettre bien avant qu'il se remette de. Bah ouais. Et du coup, j'ai rien à faire en fait. Genre mettre les cartes dans mon deck et puis c'est tout. Ah, je suis un peu sad là. Il change pas, d'accord, c'est le même mob. J'avoue que la barricade m'aurait fait plaisir du coup. Mais là, la prochaine fois que je le tue, il meurt quand même. Ah, Demon Form Shockwave. Hein. Ah, il veut me mettre 32. Il se penche pas, je suis pas d'accord. Il fait un peu plus mal. Vénère, quoi. Il a des petits pics sur les trucs et tout quand même. Hein. Ouais, de toute façon, si je veux gagner des mons formes pour. Shockwave, de toute façon, pour le week, hein, tu. Non, mais ça, c'est sûr, ouais. Mais bon, Il va me tuer vite, hein, là, il. Ah, je sais pas, moi, ce serait Shockwave, Thunderform, j'allais dire Thunderclap, Perfect Strike. Il faut le défoncer, en fait. Ouais. Mais si je fais des mons formes, quand je vais piocher mes gros Perfect Strike, tu vois. Genre celui-là. Mais armement plus. Ouais, putain, j'ai un peu de la merde. Qu'est-ce que t'en penses, Jux? Parce que là, c'est bien beau, je vais mettre un petit coup de burst maintenant, mais après, je vais encore run out of. Jux, est-ce que c'est plutôt Demon Form ou plutôt Thunderclap Perfected Strike? Je sais pas si ce yep est récent. Bourrine, je pense. Bourrine, allez! Faut défoncer là. Migo Face? Ah ouais, mais ça va être chaud. Hein. Après, si tu setup, tu vois, il y a le délire que de toute façon, à chaque tour, il se heal de 10. Donc. Si tu le setup pour plus tard. Et c'est vrai que c'est pas un Perfected Strike plus, donc bon. Bah. J'ai pas le. Ouais, bah. Ouais. C'est pas fou. Ouais, il va se heal de 10, j'ai bien compris. 7 x 2. Ok. En vrai, on a peut-être envie de. Pas finesse pour gagner mes 6 d'armure comme ça. Oui, peut-être.
tu peux shockwave. Ecré aurait Demon Form, tu vois. C'est vrai que là ça aurait déjà commencé à me bénéficier. Tu fais shockwave, perfected strike, sword, boomerang et t'es bien. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Après, j'avais encore un armement dans le deck, tu vois, ça aurait été. Oh, le perfected, il va tellement faire mal. Bah, il a fait mal, mais on n'en est pas encore. Ah bah, t'as pas les points de pouvoir supplémentaires. Je suis à 20. Ça, il repart sur du 7x2. Ah putain, j'ai pas le armement, quoi. Il est là. Je viens d'arriver, je connais pas mon deck, donc à prendre avec des pincettes. Oui, non, mais ça aurait été pas mal, mais c'est vrai que j'ai... En fait, j'ai draft pas mal de Perfected Strike, là, donc... Tu fais flamme barrière déjà. Oui, oui, non, Jojo, s'inquiète, c'est... Donc ouais, non, c'est les deux plays étaient pas déconnants, je pense, mais à mon avis c'était mieux de faire comme il disait. Ah, de... il est quasiment mort en fait. Donc... Voilà. Je crois qu'il est mort à ce moment-là en fait. Oui, t'as bah... l'étal. Non, mais sans le flamme barrière. Bah oui, mais tu m'as bait trop tôt. Mais j'avais pas, de toute façon, 19 et 14. Y avait pas l'étal en l'occurrence. Il manquait un mana. Non, il manquait un mana. Sûr. 100%. J'aurais joué le Searing Blow à la place de la truc, ouais. Là, whatever. Et du coup, je pouvais pas jouer le dernier strike. Donc, Et là, il prend ses petits dégâts. Ah, c'est un cleave. D'accord. Non, je croyais que c'était l'autre qui faisait 3x4, du coup. Et eh ben, ça va être armement, pommel strike. 4x4. Non, t'avais même tellement de pouvoir que ça aurait été pété. Ouais, non, voilà, moi j'avais l'étal. Non, on l'avait pas, Jojo. Non, oui, là. Mais si ça avait été l'autre carte qui faisait 3x4, qui en plus. Ah oui, si ça. Bah, bien sûr, mais c'était pas celle-là. Bon, bah voilà, c'est le GG. Succès déverrouillé, le corbeau. C'est qui le papa? Le Deep Pulsing Red Kinvifelt. Qu'est-ce qu'il fait? Deal 600 dommage, bravo. Victory. Il est épuisé, mon... Donc en fait, t'as deal 600, c'est ton score. Yo. Et c'est le GG. C'est le GG. Merci les copinous. Vous avez pas dormi? Non, c'est non. Unlock. C'est quoi mon unlock, là, du coup? Relix unlocked. Negates the next ses yeux. Ah, je les ai tous, d'accord. Non-boss chests, no abyssal contain card. Shovel, you cannot dig for loot at rest safe. Ok. Ok, cool. Bah, c'était bien, hein. On va... Envie de jouer. Marwan, il en peut plus. Alors, j'ai pas joué à Binding of Isaac en l'occurrence.